100% évangélique. Bon Dieu bénis, bon Dieu gardez-nous. Et nous comptons pour nous retrouver sur ce plateau Cassivi après-midi pour nous présenter une émission parlant 100% évangélique. Émission, comme nous toujours dit, qui dit aux vérités, avec grâce, bon Dieu fait, puisque yo pas mandaté pour yo dire ce qui est pensé ou bien à vie, mais plutôt yo mandaté pour yo partager ce qui est écrit dans la parole là, avec vous-même et avec vous-même, qui avez examiné la Bible ensemble. Et nous sommes capables d'arriver à trouver ce que le Seigneur demande de nous pour nous faire avec l'écriture là, bien écrite. Et nous disons merci pour ça parce que les grands, les merveilleux, ils sont gros bon Dieu et un gros, gros bon Dieu. Et c'est grâce à lui-même qui fait nous en vie, c'est grâce à lui-même qui fait nous vivre. Et ce n'est pas parce que nous comportons nous bien, ce n'est pas parce que nous avons fait des œuvres de justice qui fait que nous avons la vie, qui fait nous sauver nous. Mais c'est parce que il a miséricorde pour nous-mêmes par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il fait nous grâce à cause de cela. Et c'est peut-être ça nous pas capable en joie lorsque nous parlons d'un grand homme comme ça, Jésus-Christ de Nazareth. Et l'aime parler de non ça ou bien les toutes serviteurs servants de Dieu parler de non ça. Il n'est pas capable content, il n'est pas capable de réjouir pour parler de tel nom parce que non ça, il y a pile puissance, en pile autorité, en pile pouvoir. Et son nom qui n'est pas comme tout l'autre nom. Parce que c'est non ça qui est plus élevé et que tout genou doit fléchir devant seul nom ça. Et pas bon l'autre nom encore qui est capable de fléchir sinon que devant non ça. Et c'est peut-être ça moi-même. Moi, je mettais chapeau bas, je coupais très bas devant nous ça, et je honorais nous ça, et je confessais à chaque lèvre que je inspirais et je expirais. Parce que respiration, c'est nous ça qui permet que je respire par sang liquide coulé. Et c'est peut-être ça, nous avons besoin de parler de nous ça. Même les gens, pile monde, ou bien la plupart des gens, que non ça, bon, c'est comme non ça, c'est comme une mauvaise odeur liée pour la plupart des monde. Parce que comme le texte l'a dit, pour aux autres, une odeur de mort donnant la mort. Mais pour nous, une odeur de vie donnant la vie. Alors non, Jésus, qu'il n'y a pas tellement bon pour la plupart des gens. En plus, la plupart des gens qui soi-disant disent qu'ils croient en Jésus, ou ils observent Jésus-Christ. Mais pourtant, non, Jésus, qu'il y a depuis autant de Jésus. Alors là, il y a un problème. Il y a dit, baptême au nom de Jésus. Tout le monde commence à trembler, que tout le monde casse, tout le monde a un problème, tout le monde commence à faire la télévision parce qu'il y a autant de noms Jésus. Et pourtant, nous t'as supposé jeune monde qui pour soutenir le nom de Jésus-Christ, qui pour lever dans sa plus haut, et qui pour faire même Jean Colossiens 3, 17 dit là, quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous t'as supposé jeune des mondes qui là pour soutenir non ça, pour faire parler de non ça, pour publier non ça, pour diffuser, pour répandre non ça partout. Mais nous avons des mondes plutôt qui campaient en face pour combattre contre le nom de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous avons cité non ça, nous avons parlé de non ça, jusqu'à ce que nous va quitter terre. Et c'est peut-être ça, nous bénissons parce que nous faisons une telle opportunité pour nous capables de parler de nous, pour nous capables de faire connaître comme un nom plus puissant, un nom grand, et comme un nom fait courir, fait tomber, fait renverser, comme un nom, les que nous sa cité, et bien si un monde pas soumettre avec nous, ou pas capable vraiment supporter force non, parce que puissance là, c'est dans le nom qui est lié, et c'est non ça qui nous besoin utiliser. Dans l'Ancien Testament, David a utilisé l'Éternel, hein? L'Éternel. Mais pour nous-mêmes maintenant, l'Église maintenant, il y a l'Église, il y a un seul nom, c'est Jésus-Christ, hein? De Nazareth, parce qu'il sorti à Nazareth, et bien c'est non ça, il y a pour tout le monde louer, honorer, pour tout le monde coumettre, soumettre, pour tout le monde fléchir genoux devant, pour tout le monde respecter, pour tout le monde comprendre que non ça, c'est seul nom qui existait et que nous pas capable de dire l'autre nom encore. Nous comptons, well, enfin, nous comptons que nous devons là, nous comptons que recevoir nous la caillou, nous comptons que un bibou déjà en main, hein, en crayon et en stylo quelconque, et en fait pour souligner texture, parce que nous besoin vraiment
à bien examiner la parole ensemble. Peut-être pour personne, moun pas dit le contraire de sa frère Patrick dit. Parce que gen moun qui suivent, qui mal comprennent, qui mal tendent. Et parce que gen moun qui même arrivé dit, frère Patrick dit, bon, ben moun sa yo, yo pas baptisé moun. Et ça pour montrer que gen moun qui pas tendent, vous. Gen moun qui tendent, mais qui pas comprennent. Mais pas oublier, nous m'en pour tendre avec un pile attention. Et pour prendre Bibou avec nous, pour nous capables de faire ce texte ensemble, afin que tout ça que nous va dire, nous va partager ensemble, va des choses que on va comprendre, on va confirmer ou même à travers la parole, parce que nous pas là pour nous dire je pense que, je crois que, mais on peut si, on peut ça. Non, nous venons pour nous dire ça qui est écrit à noir sur blanc. Nous disons bon Dieu merci pour ça et merci et que Dieu vous bénisse parce que vous accueillez nous. Sans que nous ne prenions plus de temps, nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ, le nom puissant, le nom merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons invoquer nos ça ensemble dans la prière et m'inviter, ou même que ce soit à côté qui est en position qui est, mettons en position de prière maintenant pour nous capables invoquer le nom de Jésus-Christ ensemble et pour nous capables inviter lui dans l'émission après-midi et que tout point que nous allons partager ensemble, il y aura des points qui sont très compréhensifs et qui des points très édifiants et qui va permettre que nous gagnions l'autre vue par rapport à la parole, il y a l'autre compréhension. Et que Seigneur lui-même est capable d'ouvrir le cœur pour capable comprendre ce qui est écrit et puis pour capable surtout exécuter, pratiquer ce qui est écrit. Nous prenons invoquer nom puissant Seigneur là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ensemble pour le capable participer avec nous dans l'émission après-midi. Seigneur, moi béni nom dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que c'est maintenant. Ou c'est papa nous, c'est Seigneur nous, c'est bon Dieu nous. Et nous croyons dans nous-mêmes parce qu'on a une preuve et qu'on montre que Seigneur c'est nous-mêmes qui Dieu. Et après, on parle en l'autre encore. Et c'est peut-être ça nous couper devant pour nous capables de demander aux faveurs chaque jour. Parce que nous ne voyons rien, nous ne voyons rien qui est bon dans nous-mêmes, Seigneur. Tout ça qui est dans nous-mêmes complètement pas bon, il est pourri, il est gâté. Nous ne voyons aucun élément dans nous-mêmes qui est bon vraiment. Parce que nous avons encore des chairs, Seigneur. Il y a des chairs qui ont détruit nous, qui ont forcé nous à faire des choses qui contraire à volonté. Mais Seigneur, ça fait nous rester tout près, tout temps, à chaque fois, Seigneur, pour nous capables d'évoquer nom, pour capables de nous support, secours, Seigneur, et contre toute attaque ennemie, Seigneur, lâcher le monde, le diable, pour nous capables de vivre pour vous, parce que nous connaissons, Seigneur, lorsque nous attristons l'esprit, c'est Jémy qui a gémi, et toute zone encore nous a grillé, et nous connaissons aussi, Seigneur, bénédiction nous, c'est que nous courons pour pécher, pour nous capables toujours dans la présence sous Seigneur. Parce que nous avons toujours besoin d'être dans la présence sous. Et c'est peut-être ça, Seigneur, nous dans la présence sous, nous avons de grâce pour capable de nous. Nous avons de temps pour bénir les téléspectateurs, les téléspectatrices, chaque monde, Seigneur, qui baille présence, yo, qui accepte chita, qui te sa yo tap fait pour capable tant de paroles ça. N'a pas d'autant prix souple, on va accorder en retour, Seigneur, la bonne compréhension de ta parole. On va faire même Jean, Seigneur, ou te fait pour Lydie, lorsque Paul tap transmettre parole de vérité, ya. Afin que, Seigneur, chaque monde qui va tant de paroles ça, on va ouvrir cœur, yo. On va permettre que cœur attentif, Seigneur, avec tout ça qui va dire, et qu'on va examiner texte, yo, avec nous, à chaque côté, nous va arriver. On nous capable, Seigneur, tomber sur un accord qui est capable de permettre que, Seigneur, nous avons une croissance spirituelle développée, épanouie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons béni frère nous, béni chère nous, chaque monde qui a accepté, Seigneur, la vie, puis est capable de servir, chaque monde qui a accepté abandonner le monde, abandonner amis du monde, abandonner les œuvres du monde, les convoitises du monde, puis est capable de vivre à eux-mêmes, et accepter, Seigneur, quitter tout ça qui est dans le monde, puis est capable de vivre pour que ne pas quitter rien dans le monde, attirer, puis est obligé à choisir le monde pour quitter. Nous devons béni moun sa yon Seigneur qui accepte vie pour malgré sa bon, malgré sa pas bon Seigneur, malgré sa bon, yon a servi ou n'a pas de kembi en basé nous Seigneur, et yon a comprendre parole ça, béni frère nous yon, béni chaque moun, béni
béni communauté là Seigneur pour être capable vivre pour vous Seigneur ça qui pas connaît pour être capable chercher connaître Seigneur nous nous merci pour nous mêmes qui ont fait faveur ça et que Seigneur nous pas même mérité et nous reconnaître que Seigneur son grâce imméritée qu'elle est le fait que Seigneur accorde nous faveur pour nous tendre parole et comprendre et marcher là-dedans Seigneur et n'a pas nous t'en prier de nous Seigneur non pas seulement écouter parole ça mais pour nous capable mettre en pratique parce que lorsque nous va mettre en pratique Seigneur c'est dans moment ça Seigneur nous capable bailler preuve que on vivre dans nous mêmes vraiment mais si nous pas capable preuve que on vivre dans nous mêmes nous avons désapprouvé père nous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ ton fils à lui seul soit la gloire au siècle des siècles à lui seul encore et encore Seigneur soit la gloire merci encore et encore béni moment père au nom de Jésus-Christ de Nazareth merci Seigneur béni mission béni frère nous yo béni sœur nous yo cap garder Seigneur et cap coûter merci Seigneur au nom de Jésus-Christ on va bénir technicien nous Seigneur t'en prie s'il vous plaît et que grâce vous va couvrir nos pères pour nous passer un moment béni avec vous dans le nom de Jésus-Christ merci Seigneur au nom de Jésus-Christ et nous bénis nos Seigneurs là parce que il y a une opportunité pour nous capables là et pour nous partager avec vous parole qui bail la vie et si vous t'as capable remarquer gagnon en musique qui est plus fort nous vraiment excusez nous auprès de vous même parce que musique qui doit aller faire un pile bruit vraiment ils sont arrivés jusque là alors essayez comment tu capable mettre tête pour entendre ça qui n'a dit là et pour pas tout emporter ou pas musique là ou bien l'autre bruit que vous va attendre en dans fond hein. Mais seulement on va et vraiment porter attention avec parole ça qui nous va le partager avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde qui a regardé nous, tout le monde qui chita la caillou, des personnages, des adultes, hein, des vieillards, des jeunes et des enfants aussi. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous souhaitons que bon Dieu a permettre que nous passions un moment béni ensemble, à partager parole de vérité ça. Nous connaissons qui pas aussi facile pour nous partager, qui pas aussi facile pour nous parler de lui parce que Gampi l'attaque et c'est pas facile parce que nous vivons ouais que les hommes vivent sensibles qu'ils vivent en Dieu si ils ont pas accepté ils ont pas d'accord vérité à et c'est peut-être ça nous disons Dieu merci pour même qui capte pour même qui capable vraiment bail temps avec parole ça nous prier chaque jour pour mon Dieu capable accorde grâce lui pour capable toujours marcher et tendre parole en esprit et en vérité et avant que nous débutions comme il dit dans Jean 4, le verset 23, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, les vrais adorateurs, nous avons besoin des vrais adorateurs, non pas des faux adorateurs qui n'adoreront pas le Père en esprit et en vérité. Et nous connaissons aussi que côté l'Esprit Saint, le Consolateur, c'est la vérité qui régnait. Et que personne n'est pas capable et prétendre qu'il a servi Seigneur hein, tout en étant des faux adorateurs. Ça veut dire des gens qui adorent le Père en mensonge et en esprit démoniaque, en esprit de l'air, mais en esprit et en vérité. L'esprit que je vous parle, c'est l'esprit de consolateur. Le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus nous avait promis hein, pour que nous puissions enseigner, prêcher, annoncer le nom de Jésus-Christ. Parce que le message n'est pas basé sur un autre nom que le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas présenter chez vous tout en mentionnant un autre nom que celui qui a été prêché le jour de la Pentecôte, que celui que les apôtres hein, avaient annoncé. Et les apôtres ont parlé dans le nom de Jésus-Christ, ils ont annoncé le nom de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle du royaume est basée sur le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est peut-être ça, nous devons faire attention à ce que nous vraiment restions, demeurés, enracinés, fondés dans la parole, sur le fondement des apôtres. Parce que nous ne pouvons pas arriver à la saine doctrine
arriver à plaire au Seigneur si nous ne demeurons pas sur le fondement des apôtres. Alors, comme je vous ai souvent dit, quand je dis le fondement des apôtres, je ne veux pas dire un pasteur, un leader, un homme, un bishop ou un apôtre ou quelqu'un qui porte tous les titres de ce siècle. Mais je parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondement des apôtres. Être sur le fondement des apôtres, c'est être en Jésus-Christ, c'est être en tant que des pierres vivantes, posées, être posées sur Christ, qui est le fondement de l'Église, le fondement des apôtres, qui est le fondement de la maison spirituelle sur laquelle que nous, en tant que des pierres vivantes, que nous sommes posés. C'est sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et si nous sommes en dehors de ce fondement, et que en tant que de pierre vivante, et que nous ne sommes pas posés sur la fondation des apôtres et des prophètes, eh bien, nous sommes tous à côté de la plaque, comme je vous le dis souvent. Comme je dis dans Jean 4, 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si vous voulez être des vrais adorateurs, si vous voulez être des hommes et des femmes qui font profession de servir Dieu, vous devez être des vrais adorateurs. Ça veut dire des gens qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alors je vais vous expliquer ça en long et en détail, comment être en esprit et en vérité, comment être le vrai adorateur, parce que si je ne chante pas dans la vérité, s'il n'y a pas de la vérité, il n'y a pas d'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là, là où il n'y a pas la vérité. On ne peut pas dire qu'il y a l'esprit du Seigneur là où il y a le mensonge, là où on est encore esclave de quoi? Du mensonge, de l'injustice. C'est impossible. Le Saint-Esprit ne peut pas être là. Vous avez la Bible, vous pouvez ne pas accepter ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous. Parce que comme beaucoup de gens le pensent, frère Patrick, frère Jean, ne vont pas vous forcer, ne vont pas mettre des bâtons dans vos roues pour que vous puissiez accepter la parole de la vérité ou pour que vous puissiez retourner au fondement des apôtres. Non, on ne peut pas faire ça. On est là juste pour vous enseigner, vous dire ce que dit la parole. Mais le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Ce n'est pas nous. Alors, si vous voulez faire sa Bible, à dire, Ophel, il va mettre le bâton dans vous. Il va mettre le bâton dans vous pour appliquer l'évangile ou prêcher. Mais non, frère, tu ne vas pas mettre le bâton dans vous. Vous connaissez, vous voulez appliquer nous. Parce qu'on a le choix pour choisir. On a la vie éternelle, on a la mort éternelle devant chaque nommé. Main droite, main gauche, choisis. C'est deux odeurs. Une odeur qui donne la mort, une odeur qui donne la vie. À vous de choisir quelle odeur que vous voulez. C'est vous qui avez choisi, vous avez condamné, vous avez condamné seulement. Nous tenons à ce que, quand sera le jour du jugement, vous puissiez être condamné avec votre conscience, tout en confessant, tout en n'avouant que l'évangile de la vérité a été prêché et que vous l'avez entendu. Mais c'était que juste parce que vous ne vouliez pas l'accepter. Mais ce n'est pas parce que vous ne l'aviez pas entendu. Vous l'aviez entendu. C'est ça, moi, pas sûr. N'abdou tout vérité. On ne peut pas les prendre, c'est vous-même. Mais sauf que les moments arrivés pour périr en dehors de l'évangile, ça, de ça qui est écrit sur le fondement des apôtres là, on va périr avec connaissance pour dire oui, nous t'es ou même t'es choisi. Parce que il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui connaissent un mensonge, mais qui ne peuvent pas sortir là-dedans. Il y a l'autre catégorie qui connaît que il y a un mensonge là, ils veulent sortir, mais ils n'ont pas qu'à sortir.
Pourquoi? Soit parce que y a payé caille pour yo, soit parce que y a bien bus l'église là y a fait trafic, y a pas qu'à retirer comme ça, mais m'abdou a péri avec toute fatra ça yo frère. Ou a péri avec toute fatra ça yo sœur. Parce que c'est ou pas qu'à comparer la vie que Jésus qui ban nous pas seul qui coulait avec fatra la terre. Impossible. Et c'est ça que fait nous demander chaque jour mettre tête pour apprendre, lire texte, examiner pour comprendre ce que la parole de Dieu dit. Parce que si vous pas fait ça, vous apprêtez dans l'égarement. Alors, j'ai beaucoup de monde qui dit ouais, nous connaissons la vérité ou bien capou qui a pébi pour la foi spoil des mensonges, pas des égarements, hein, pour des en doctrine diabolique. Mais on pense que l'homme a couru maintenant pour la vérité, pour la parole qui sanctifie. Hein? Dimanche prochain, peut-être que nous avons une émission spéciale pour nous montrer derrière qui ça moun courir, parce que les gens ne courent pas derrière l'évangile ça qui a prêché là. Ils courent derrière Shalom, hein? Des milliers de personnes, des milliers de gens. Hein? On ne sait pas ce qu'ils prêchent au détail de la Bible là-bas, non, parce qu'ils font danser, ils jouent musique, ils font danser, puis ils font, puis ils font tout ça, ils ont gagné pour avoir un miracle. Et puis c'est ça, oui. Et bien l'évangile ça, ils ne pas qu'à jouer ça. C'est difficile pour eux jouer ni. Mais personne pas vienne de ça. On pas une personne monde d'elle ça pour faire. Il y a pas besoin. Il y a pas besoin. Et c'est ça que fait nous fier pour nous prêcher un tel évangile, même les gens qui pensaient que frère Patrick soit monté le toit haut comme frère dimanche passé a te dit, mais frère m'a dit que pas mettre le toit haut, même fier et content. Parce que m'a parlé de Jésus-Christ et que me fier pour me dire que me baptiser au nom de Jésus-Christ, me fier pour me dire m'a vivre dans le nom de Jésus-Christ, me fier pour me dire selon Galates 3 27 que je suis revêtu Christ et que j'ai été enseveli avec lui par le baptême et je suis ressuscité avec lui en lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Colossiens 2 le verset 12. Je suis fier de le dire, frère. Je suis fier de vivre pour lui, en esprit et en vérité. Alors si vous, vous n'êtes pas fier, alors ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis fier. Je suis fier. Parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Parce que Jésus-Christ est ma vie. Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je paraîtrai avec lui dans la gloire. Parce qu'il est ma vie. Parce que j'ai été enseveli avec lui. Mais vous, avez-vous été enseveli avec Jésus-Christ? Avec qui avez-vous été enseveli? Hein? Père, Fils, Saint-Esprit? Hein? Mais Jésus-Christ ne pourra pas vous ressusciter au dernier jour, frère. Parce que vous n'avez pas été enseveli par le baptême en son nom. Hein? Parce que Ananias a dit à Paul, hein? Lève-toi, sois lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Sois lavé de tes péchés. En évoquant qui? Le nom du Seigneur. Alors toi, tu évoques quel nom? Quand tu te laves de tes péchés par le baptême de la régénération. Hein? Tu es revêtu de qui? Hein? Tu évoques le nom de qui? Hein? Je vais vous montrer ces textes parce que peut-être que vous avez besoin. Parce que les gens disent on n'a pas besoin d'évoquer le nom. On dit au nom du Père du Fils, Saint-Esprit, c'est ce que, qui est écrit. Mais vous faites naufrage, frère, vous faites naufrage, sœur, parce que vous n'êtes pas baptisé en aucun nom. Et je sais que ce message n'est pas bon pour la plupart des gens. Vous allez fermer votre télévision, je suis sûr. Mais ce n'est pas un problème. Mais je sais que les enfants du Seigneur sont devant la télévision pour écouter la parole de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle je demande au Seigneur sa grâce afin que je puisse vous prouver tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais partager avec vous selon la parole. Selon la parole, parce que c'est important que nous puissions demeurer dans la parole, nous puissions prêcher la parole de la vérité. Alors c'était Acte 22, le verset 16. Acte 22, le verset 16. Et maintenant, Acte 22, 16. Et maintenant que t'as-tu, lève-toi, sois baptisé. Comme je vous le dis souvent, le mot baptême s'explique lui-même. Étymologiquement parlant,
Alors quand les gens disent que baptiser ne veut pas dire plonger totalement dans l'eau, il faut seulement demander à cette personne définir étymologiquement le mot baptême. Et je crois qu'il va vous dire que le mot baptême étymologiquement veut dire plonger totalement dans l'eau, immerger. Alors quand on vous aura dit ça, vous comprendrez que la parole de Dieu est vraie. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Alors le verset 16 à 22. Sois lavé de tes péchés, hein, et sois lavé de tes péchés. En faisant quoi? En évoquant le nom du Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? Jésus-Christ de Nazareth. Hein? 1 Corinthiens 8, le verset 6. Néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, par qui viennent toutes choses et par qui nous sommes. Alors, un seul Seigneur, en évoquant le nom du ciel, c'est qui? Jésus-Christ. Alors, je vous montre, hein, en évoquant le nom du Seigneur. Quel nom? Quel est le nom du Seigneur? Vous voulez savoir? Hein? À 22. Le verset 16 dit, hein, en se lavant de ses péchés, il faut invoquer le nom du Seigneur. Maintenant, on doit savoir quel est le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est quel nom? 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 8, le verset 6. 1 Corinthiens 8, 6 va nous dire, hein, le nom du Seigneur. Je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, pas moi-même, mais la parole va vous le dire. Verset 6, néanmoins, 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes les choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Un seul Seigneur. Il s'appelle comment? Jésus-Christ. En évoquant le nom de Dieu, sois lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Qui? Jésus-Christ. Alors, Actes 2:38 est clair. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. On devait invoquer le nom du Seigneur, non? Hein? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé en quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit dans Actes 22, le verset 16, je devais être lavé de mes péchés. Actes 2, 38, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon. Hein? De vos péchés. Je dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Et après, je recevrai le don du Saint-Esprit. Alors ici, là, le baptême, ça veut dire laver de, il faut se laver de ses péchés. Hein? Le baptême, ça lave les péchés. Alors là, j'évoque un seul nom. Alors, en invoquant le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. On m'a dit que le nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alors, si je n'évoque pas le nom du Seigneur, hein, dans mon baptême, ça veut dire que là, je ne suis pas baptisé. Parce que je n'évoque pas celui qui peut me laver. Parce que je dois être baptisé en son nom pour que je puisse être lavé de mes péchés. Alors là, on est clair par rapport à la parole jusqu'ici. Bon, ce que je vais faire maintenant, ce que je voulais faire maintenant, c'est que moi, je voulais répondre avec question suivante dimanche dernier qui t'est posé question ça. Et pour demander, est-ce que l'Éternel a un pasteur qui t'a parlé, lui dit que baptême pas sauvé monde. Alors, lui pose la question, hein, est-ce que la Bible confirme que baptême pas sauvé monde vraiment? Alors, nous-mêmes, ça que nous là pour nous faire, nous là en tant que des dispensateurs, 1 Corinthiens 4 là, le verset 1er de 3, en tant que des dispensateurs des divers mystères de Dieu, nous sommes là pour répandre, annoncer, prêcher les mystères et dévoiler selon sa Seigneur, permettre que, selon la capacité qu'il a nous, pour nous capables de faire comprendre bagay sa yo. Alors, nous parlons, est-ce que baptême n'est pas salutaire, est-ce qu'il n'est pas sauvé le monde? Nous parlons, est-ce que la Bible dit ça?
Alors si on t'a par exemple un texte qui dit baptême pas sauver monde, nous t'a bien content que relé nous pour banou texte ça. Si un verset qui dit baptême n'a pas sauvé monde, nous t'a bien aimé on relé pour banou verset ça, mais s'il pas un texte pour prouver, eh bien laissez-nous voir qui ça la Bible dit et puis après nous capable partager ensemble, recevoir appel, recevoir critique, recevoir suggestion ou support par rapport à la parole. Alors, on apprend Matthieu 3, le verset 13, 14, 15. Matthieu 3, le verset 13, 14, 15. Alors, je dis à nous, t'évelé vraiment détailler Matthieu 28, 19 là-bas où, mais la PC ou est-ce qu'on répondre avec cela d'abord. Si nous avons assez de temps, nous sommes capables de détailler pour nous, bon, nos papas, nos petites là, nos sept esprits, une après l'autre, selon la parole de Dieu pour nous. Ouais. Est-ce que nous avons trois personnes, quatre personnes, cinq personnes? Si nous avons trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, comme beaucoup de gens disent, on sait une monde qui dit observer un seul Dieu, mais pourtant, qui sont polythéistes, ils n'ont pas observé un seul Dieu, ils ont observé trois dieux, ils ont observé cinq, six, sept. Mais il y a même les protestantistes ou bien ces congrégations, ces synagogues, ils ont observé trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ont dit que le Père, ils ont dit que le Fils, ils ont dit que le Saint-Esprit, ça fait trois dieux, ils ont adoré, mais nous-mêmes n'avons pas adoré, on sait Dieu. Et c'est lui-même qui crée la terre, nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois, sont seuls que nous gagnons. Parce que sont seuls la Bible nous, qui nous a servi et qui nous doit servir. Voilà. Matthieu 3, le verset 13. Le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu y es à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alors, là, nous capables de souligner notre texte là, tout ce qui est juste, quoi? Le baptême. Ça veut dire que baptême n'est son être juste lié. Et nous gagnons exemple qui est plus parfait que nous gagnons, Jésus-Christ de Nazareth l'y baptisé. Jésus-Christ de Nazareth baptisé. Et c'est exemple parfait que nous gagnons. Nous parlons de l'autre Kelly que nous devons suivre. Alors, peut-être christianisme traditionnel, Rabbi, on ne pas baptiser, les gens ne pas de baptiser. Pour qui pour les gens complètement à côté de la plaque. Ils sont complètement loin, égarés, complètement éperdus. Pourquoi? Parce que si Jésus qui baptise, ou bien on sait de gens qui nous baptisent, c'était sous la loi, et bien maintenant, ce n'est pas important. Et bien tout le monde ne sera pas baptisé. Tout, selon la Bible, tout périt. Tout périt si vous pas accepté Jésus-Christ. Alors attendez bien pour ne pas les dire, frère Patrick, vous êtes jugé. Frère Patrick dit ce que dit la parole. Si vous n'avez pas changé, tout a péri depuis vous pas accepté baptisé Jean la Bible mandéa. Et c'est la Bible qui dit, nous c'est ça n'a pas suivre là. Nous quand on voit Jésus-Christ en tant que maître, en tant que Seigneur, en tant que Dieu, l'y baptisé. Ok, nous n'avons pas approché plus devant. Nous n'avons pas avancé plus devant. Nous prenons Jean 1er, Jean chapitre 1er, le verset 12. Jean 1er, verset 12. Jean 1er, verset 12. Parce que quelques textes sont appelés, peut-être qu'on n'a pas fait attention avec eux, mais lorsque on va lire vraiment dans toute intégralité pour analyser, on va comprendre. Jean 1er, verset 12, regardez le verset 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Chers téléspectateurs, regardez dans Biboua. Léophine dit enfant de Dieu, gon virgule. Regardez dans Biboua pour eux. Texte continue pour dire lesquels sont nés. Alors, pas de problème, non, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il y a une condition. C'est ceux qui sont nés. Ceux qui sont nés de nouveau. Cela veut dire, sans la nouvelle naissance, vous n'avez pas les droits d'adoption. Sans la nouvelle naissance, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Hein?
Vous n'êtes pas des enfants de Dieu si vous n'êtes pas nés de nouveau. Alors, le verset 13 dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hein? Cette naissance, hein? Cette naissance, hein? Ne vient pas du sang, ni de la volonté de la chair. Cela veut dire que mon papa, ma mère, hein, ils vont mettre ensemble pour me donner naissance. Non, loin de là. Il n'y a pas de, il n'y a rien à voir avec la naissance physique nous donne notre père, notre mère. Mais c'est une naissance qui est selon Dieu, en étant né de nouveau par le baptême de la régénération. Alors là, jusqu'à là, nous voyons, pour devenir enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Faut que nous naissions de nouveau. Faut que nous fassions une deuxième fois pour nous vivre petit bon Dieu. Et c'est noir sur blanc, ou regardez, hein, Jean 1er, le verset 12. Hein, vivre petit bon Dieu, faut naître de nouveau. Nous clair. Nous avancer plus devant. Nous parlons dans Jean 3. Jean 3, le verset 3, 4, 5 et 6. Jean 3, verset 3, 4, 5, 6. Parce que dans le monde qui prend le chute, ou dit que, et pour interpréter le texte au bord différemment. Mais nous allons essayer de regarder Jean la parole écrite, Jean qui parle. Et on parle qui lie tout texte au gain, entre eux même, parce que aucun apôtre, aucun prophète, aucun homme de Dieu ne peut se contredire. Non! Aucun homme de Dieu ne peut se contredire entre eux. Pourquoi? Parce que c'est le consolateur qui agit. Ce n'est pas la chair. C'est le consolateur qui agit. Le verset 3, Jean 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors ici, le verbe voir joue, c'est comme si on avait dit entrer. C'est comme si on avait dit sauver. Alors, ici, la voix ne veut pas dire regarder comme ça, jeter un coup d'œil, mais c'est avoir la vie éternelle, voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, une deuxième fois. En vérité, hein? Verset 3, il dit, en vérité, verset 5, en vérité, il s'est monté encore, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau, alors naît de nouveau, voilà ce que cela veut dire. Naît d'eau et d'esprit. Naît d'eau et d'esprit. Regardez le verset 5, hein, chers téléspectateurs, Jean 3. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né, le verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors regardez ça, le verset 6 a un lien au verset 13 de Jean 1er. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hein? Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Même bagaille. Il y a le même lien. Il y a sorti la même longueur d'onde. Il n'y a pas quitté l'autre. Parce que c'est le même esprit qui a parlé. Ok, nous avançons plus devant. Nous devons comprendre que là, il faut être de nouveau d'eau et d'esprit. Un point, un trait. Nous n'avons pas approché plus devant. Parce qu'il dit nous que baptême pas sauver le monde. Il faut que nous voyons vraiment est-ce que baptême pas sauver le monde vrai. Qui ça la parole de Dieu dit. Nous pouvons regarder dans Marc 16. Il y a un texte que le monde traduit selon pensée. Jean qui voulait. Mais nous-mêmes nous tiens à vraiment expliquer ça selon le Seigneur, bonne opportunité. Nous gagnons appel, nous prenons appel ça au nom de Jésus-Christ. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frère Patrick, bonjour. Bon Dieu béni, où suis-je moi? Est-ce que si on est baptisé, et les sales baptêmes, par exemple, les films baptisés, les films plongés, les sales baptêmes dans la prostitution, dans la drogue, dans le vol, dans toute bagaille, est-ce que la prophète est dans le royaume ciel là? Ça, c'est imagination ou bien la Bible qui dit? Non, mais comme si je me pose une question, si on est baptisé, c'est tout ça, est-ce que la prophète est dans le royaume ciel là?
À quoi vous dites si? Parce que normalement, c'est tout monde tout baptisé. Si. Alors, tout si, non, tout si c'est. Tout si c'est idéologie, pensée l'homme. Parce que, alors c'est ça, comme je dis ça. C'est attention, moun qui dit baptême pas sauver moun, c'est traduit après baptême moun nan pral si, pral ça, pendant ce temps moun nan, ou pas bon Dieu. Vie spirituelle moun nan pas dépend de où. C'est pas où. Vous connaissez si moun baptisé et que li sal baptême nan, c'est alors qui est-ce qui dit la sal baptême? Est-ce que les moun nan? Parce que moun nan plongé dans la Bible dit pour moun nan sauvé. Qui ça la Bible dit? Et puis li sal kol partout côté dans sac pas bon. Mais c'est comme s'il pas plongé dans le divin, mais comme s'il pas baptisé. Sœur, bon don bagay. Li mye ke ou fè sa Bible amande si ou accepte Christ vrai. Non mais, des moun ki pa baptisé, des moun ki bien, moun se ben vrai. Sœur amande monsieur, est-ce que baptême capable sauver moun? Ça veut dire si Christ baptisé pour sauver, baptême capable sauver ou ne faut capable que de baptême ça vous c'est à même que ça. C'est vent. Écoutez, avant que vous t'apposez une certaine dépression. Écoutez sœur, écoutez bien ça m'a dit ou là. Depuis mon nan bat comme c'est ça m'a expliqué là, c'est ça m'a tenté d'expliquer ces textes m'a détaillé d'abord pourquoi répondre ça au surtout. Mais en essayant aussi de mettre idéologie penser l'homme de côté parce que vie spirituelle yo moun l'accepte si c'est Jésus qui l'accepte vrai, pas dépend de ou ni de moi. D'accord? Alors après baptême mon nan c'est pas ni businessman ni business personne moun. Et c'est pas c'est moun nan avec Dieu parce que texte là déjà dit depuis le baptisé le sauvé. Depuis le baptisé le sauvé sœur. Alors si la Bible dit depuis le baptisé le sauvé, sous gon idéologie, vous l'autre pensée, sous gon idéologie on l'autre pensée. Sœur, ça c'est pour vous lire, mais c'est pas ni pour moi ni pour la Bible. Nous fait que dit ça la Bible dit et soumettre à ça la Bible. Mais pas aussi, ok, baptême qui a sauvé moun ou baptême pas qui a sauvé moun. Alors, question m'a posé, est-ce que baptême pas qui a sauvé moun? Baptême qui a pas sauvé moun. Comment baptême a sauvé moun? Faut qu'on qui soit pour conduire, faut qu'on comment pour coller, avec quoi l'on finit baptisé. Avant de vous poser n'importe quelle question, écoutez bien. Pour qu'on finit baptisé pour moi, pour porter quoi, pour dire est-ce que baptême a sauvé moun? C'est pas baptême non baptisé à que sauvé, mais c'est pas pour moi, pour porter quoi. Si baptême n'a pas sauvé, pourquoi baptiser alors? Mais continue vivre comme ça? Si vous baptisez, vous êtes capable de sauver, mais vous êtes capable de baptiser, vous êtes capable de faire des causes. C'est vrai. Pourquoi vous n'acceptez? Pourquoi vous dites faut quoi d'abord pour baptiser? Et à travers la Bible, vous ne pouvez pas dire mot baptême pour ne pas croire. On ne peut pas croire sans baptême. Oui, c'est parce qu'on veut marcher. C'est parce qu'on veut marcher. Si vous baptisez après, ça y est à droite. C'est vrai, ça c'est business, mon nom, ça n'a pas intéressé. Pour baptême, non, vous êtes capable de respecter. C'est vrai, ça c'est business, mon nom, ça n'a pas intéressé. Non, avant, c'est parce que nous tout de suite allé. D'abord, D'accord, problème. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Alors, affaire idéologie. Alors, s'il vous plaît, c'est faut-il tonne pour moi, pour me capable de détailler ça. Avec affaire yon moun ap di, après baptême, ceci, cela, moun sa ke bel pour vous. Parce que ça pas bizisme après baptême moun nan. C'est que depuis l'accepter Jésus qui le baptise, c'est que l'accepter marcher selon Christ mandé. Et c'est ça qui fait le baptiser. Et ça qui fait tout. S'il pas croit ou pas qu'à baptiser. Parce que depuis il dit le croit, c'est qu'elle d'accord pour le marcher selon tout principe, c'est qu'elle l'est sauvé. Nous ne pas parler de moun qui pas accepter Christ tout bon yo. Avec yon moun n'est pas vrai Christ accepté, son faux Christ accepté. Moun qui baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pas accepté aucun Christ. Parce que vous n'avez pas accepté, il y a trois noms, il y a trois dieux. Hein? Il n'y a pas accepté un seul nom. Ce sont des titres. Et ce n'est pas moi qui cours avec Christ. Oui. Parce que vous n'avez pas de pardon péché, parce que vous n'avez pas baptisé les gens qui ont deux baptisés pour recevoir pardon péché. So, c'est pas là, nous y sommes. Mais à travers la Bible, c'est ça que nous demandons d'examiner avec nous. On regarde dans Marc 16, le verset 15-16. On regarde ensemble, texte. Puis il leur dit, le verset 15, allez partout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors écoutez bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon Dieu béni ou 100% évangélique. Nous pas que t'en rappelle ça. Mais faut-il attendre pour nous capables d'expliquer tout ça. Yo. Alors, gardez le texte là bien, oui, parce que les gens peuvent interpréter le bon n'importe comment. Gardez verset 16, Marc 16. Celui qui croira, là où on constate, il y a le verbe croire. Croire, mais croire là, pas dit pourquoi, pour pas baptiser, non. Et ça, qu'on vient le verbe baptême, moi, hein, au passé composé, même côté. Hein. Et qui sera baptisé. Parce que au moment où Jésus-Christ a parlé avec disciples, fait après qu'on fait son bagage qui pourrait être fait très proche.
hein, son bagage qui prend l'hiver pour confesser qu'il utilisait le futur. Hein? Il dit, qui croira? Ça dit, monsieur, lorsque nous va en place pour nous prêcher parole de vérité, ça, monde qui va croire, qui va baptiser, l'elle croire, dans le moment, elle croire, eh bien, l'a sauvé. Alors, que monde il dit, sera baptisé là. Mon a dit, un petit peu baptisé, un petit peu sauvé. L'elle dit, sera sauvé. Mon dit, un petit peu, c'est pas sauvé, tout à fait sauvé, non, mais un petit peu. Texte n'a pas dit un petit peu. Texte a dit, sera sauvé. Alors, pas chercher une idéologie ou une vie, mais ta côté pour dire sera sauvé, c'est sera. Bon, oui, peut-être. Bon, peut-être. Non, pas du tout. Texte a dit sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, pourquoi? Ou elle a utilisé le même verbe là, croira pas. Elle dit, depuis mon n'a pas croire, pas qu'à baptiser, parce que depuis où est croire, il faut un baptême. Et quand on pas où est croire, pas qu'à un baptême. Et bien tout de suite, depuis mon n'a pas croire, texte a dit la condamné, sera condamné. Par contre, si condamné, là, il dit son type est condamné, il va tout à fait condamné. Hein? Sera sauvé, sera condamné. C'est soit sauvé ou bien condamné. Pas de un type qui sauvé, non, ni pas de un type qui condamné. Ou condamné, condamné. Ou sauvé. Parce qu'on accepte ou quoi dans Jésus-Christ pour capable sauver. Alors, regardez le texte bien, oui. Celui qui croira, a dit, mon qui croira, au moment qu'elle quoi ça fait, l'a baptisé. Et, quand elle baptisé, l'a sauvé. Hein, sauvé. Mais celui qui ne croira pas, parce que le monde qui ne croit pas baptisé, c'est normal. Ou pas croquer si pour le baptiser. Faut croire pour baptiser. Et yon moun, yon moun pas qu'a dit le croire sans baptême. Yon moun qui pas qu'a dit, il pas qu'a baptisé sans le croire. Son bagay qui est évident. Alors depuis le monde n'a pas croire, et bien la condamné parce qu'il n'est pas baptisé. C'est tout à fait clair, oui. Tout à fait clair. Regardez le texte pour analyser le pour. Depuis le pas croire, c'est qu'il n'est pas baptisé et il est condamné. Depuis le croire, c'est qu'il a baptisé et il est sauvé. Le texte est devant nous. Ça pousse à l'évangélique. Nous avons pas de et récepteur là pour nous un petit peu. Oui, allô, bonsoir. Bon Dieu béni. Dieu béni. Oui, frère, moi, tout à l'heure, nous avons discuté, on s'est discuté question de baptême ensemble avec vous. Et maintenant, de ça, moi, je dis, faut que moi, je l'ai. Oui, c'est à dire, depuis au baptisé, au sauvé. Mais on dit là, depuis au baptisé, au pas sauvé. Non, vous m'entendez. Alors, ou plutôt dit, ça c'est à dire pour moi et samedi à pour cela. Non, ou inversé. Okay. C'est que moi dit de pour baptiser ou sauver. Enfin, pas moi dit, nous texte ça dit. La Bible dit. Et ça m'a de prouver là. Oui, on dit de pour baptiser. Et, alors, c'est la même qui dit. La Bible dit. La Bible dit. Mais, ok, dans notre discuté ça ensemble avec vous, oui, mais pour être sauvé, comment pour être sauvé? Ou bien doit baptiser ou pas sauvé? Ou gen doit baptiser ou pas sauver? Oui. Mais la Bible pas nan là, yo pas dim, la Bible pas dim ou gen doit baptiser ou pas sauver. Oui, ou gen doit faire son gen doit baptiser. Juste bon verset. Juste bon mon verset parce que nous pas dans idéologie, on quitte idéologie de côté. On entre dans Bible plutôt. Moi m'a prouvé ça à travers la Bible. On allez, bon mon verset qui dit ça a dit là yo. Ay nous obligé quitter Dieu fait parler Dieu cap sauver nous, on quitter Dieu mener nous, seulement soumettre nous pour nous faire ça demander. On a les bambions versets, quand elle dit, on doit baptiser ou pas sauver. Pour baptiser, pour sauver, il faut faire ça, vous demandez. Mais pour qu'il soit accepté Jésus-Christ, c'est pas pour te faire ça demander. Accepter Jésus-Christ. Pour faire ça demander. Oui, faire ça. Qui sont ou pas besoin de dire, moi, encore ce vent. C'est oui, que pour accepter Jésus, c'est pour le faire ça demander. Mais automatiquement, l'accepter, lui baptiser, lui sauver. Parce que normalement, la vie va avec Christ. Oui, la vie va avec Christ, oui, d'accord. Okay. Parce que c'est l'homme baptisé en chevelu avec, c'est laisse à la vivre. Non, c'est Christ, mais bon, l'autre bagage vous pas dit. Qui ça m'a pas dit là? Ou accepter ou baptiser, ou à vivre avec Christ, ou sauver. Mais est-ce que vous serez des bagages? Bon, vous maintenant, vous serez des gens qui baptisent, mais ça y était toujours qu'on fait avant, et vous êtes plus seul. Comment vous ne pas sauver parce qu'il est baptisé? Bon, je dis un bagage. Je répète même bagage là. Comme je dis tout à l'heure, nous ne parlons pas dans l'idéologie, ni dans la pensée, ni traduit. Mais nous prêtons dans la Bible. Ça veut dire, la Bible dit, ou bien Jésus-Christ dit, apôtre, prêchez bonne nouvelle là. À toute nation. Ça veut dire, les gens qui entendent des bonnes nouvelles là, ils croient là-dedans, ça veut dire, l'accepter, marcher selon Jésus-Christ. Eh bien, ça l'a fait, la baptiser, parce que ce n'est pas baptême non, pour Jésus-Christ capable de vivre dans lui. Eh bien, la Bible dit, du moment que vous acceptez le baptême, non, li sauvé. Li sauvé. Quand y a là, ce pas, si il si y a une conjonction de coordination quelque part,
ne pas arriver jusque là. Même m'arrêter son seul côté que on accepte Jésus-Christ pour marcher avec elle ou baptiser. La Bible dit texte ça m'a pli la dit ou sauver. Si qu'on y a après ou elle fait un bagage ça c'est ou même avec Dieu. Même moi-même moi dit ça Dieu dit me dit à la dans Bible et pas un texte qui dit oh mon nan la baptiser le pas sauver pas mon texte qui dit la Bible pourquoi j'aime dit ni pourquoi texte ça et si gon monde qui gon texte pas pour comme toute façon tout monde qui les idéologie c'est pensée imagination et tout il a partagé même pourquoi jeune monde qui ba mon texte qui fait me lire la Bible gens qui m'a fait nous lire là pour moi ça mon nan dit c'est vrai oui mais la Bible dit ça qui croit sera sauvé, ça qui pas quoi sera condamné. Exactement. Mais ok, on baptisé, on est d'accord. On est sauvé, mais faut qu'on marche avec mon Dieu. Faut qu'on marche. Oh là 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 là. On retourne dire le même bagaille là. Pourquoi accepter Jésus-Christ? C'est pas pour marcher avec elle? Oui, pour marcher avec elle. Mais pour un point final. Oui, frère. Pourquoi ça? Parce que pour dire qu'on est baptisé, lui sauvé, mais faut qu'on marche droit. Servant, marcher droit, il pas dépendant. Il connaît fort. Il faut marcher droit. Qui fait le accepter Jésus-Christ? On peut conseiller des gens qui disent qu'on peut pour marcher à Christ parce qu'on peut qu'on marche droit. Voilà, il n'y a pas pour quitter ça à faire. C'est parce qu'il est sorti, il n'y a pas prêt pour. Mais ça veut dire là, il périt parce qu'il n'y a pas qu'on croit en Christ. C'est pas parce qu'il n'y a pas qu'on croit. Parce que. Oh, même mon cher, attendez, bon là, là, bon, on, nous copions là, bon, nous verset. Ça, nous devons ça faire au quoi. Ah, okay, prouvez. C'est qui pas bon et puis pour baptiser. Servant, prouvez ça la Bible dit. Avec baptême, son baptême. Qui va au quoi? Au moins, qu'à quoi sont pas baptisés? Hein? Bon, ou bien raccrocher, parce que personne ne peut pas dire mon quoi Jésus ou pas baptiser. Mais comment mon quoi? Bon, Jésus-Christ ne peut pas sauver ou quoi? Ou quoi pas baptiser ou pas sauver? Qu'on doit passer pour sauver? Alors, mes amis, nous ne comprenons pas la Bible du tout. Alors, s'il vous plaît, essayez de voir si nous devons quitter un fin traité sujet. Je bloque le téléphone après, 100% évangélique. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Allô? Allô? Oui, bon Dieu béni. Dieu béni, frère, comment est-ce? Ah bien, avec Jésus, nous ne pas plus mal. Je suis tout un sujet là qui est vraiment important. Mais il y a un sujet qui n'est pas comprendre si je suis en même. Non, c'est comme ça, frère. Mon yo pas comprendre ni comme ça. Yo pas c'est au lieu yo être dans la Bible, yo quitter la Bible, quitter bon Dieu comme si yo cap fait l'église et l'église yo lié, hein? Yo oublié Ephésiens 5 26 27 que Jésus-Christ dit le bail col pour l'église pour le sanctifier. Yo oublié ça. Yo al dehors. Yo quitter Bible là. Mais nous même nous pas choisi al dehors parce que c'est ça Bible a dit bon Dieu. Ouais, que moi même pas jamais le facile. Et si je ça veut moi là moi mais la Bible parce que non, en réalité il n'y a pas de conseil de baptême qui dit mon gars dit oui, mon nom fin baptisé va sauver. Comme vous faites Dieu dit là, sauver va dépendre de mon nom fin baptisé, sauver va dépendre de nous. Parce que la vie spirituelle, au chrétien qui vient qui fin baptisé, il va dépendre de l'homme, c'est bon Dieu, ça qui connaît, direction après. En réalité, il y a un monde qui dit qu'il veut lâcher avec bon Dieu, qui parle qu'au chrétien, par exemple, qui peut accepter Christ, qui vient accepter Christ, qui vient sauver Christ. Qui ça qui veut nous pas baptiser? Ah mais je ne veux dire regarder l'église, quand il l'église, je ne veux dire mon ami 20 ans, 10 ans l'église. Il ne peut pas jamais dire l'accepter pour prendre le baptême. Mais on n'est pas jamais connu. Accepter un baptême pour gérer le baptême, non, il est capable de nous sauver. Mais on n'est pas jamais connu. Parce que pasteur, quand il a dit l'absorber, j'en ai. Mais c'est ça le problème, là, parce que. Et vous, dans la péri, le péri, encore la péri au cube. Mais si on ne peut l'absorber, là, l'intérieur, pasteur a tout le monde qui passe. Exactement, vous déjà pasteur. Imaginez, au monde devant qui est garé, pas qu'on a dans la Bible, quand on peut aller. Hein, on détruit, osé 4-6. Hein? Mon père est détruit parce que lui manque la connaissance avec des vents, la conduit non tout. Eh bien, c'est ça, parce que nous, on a berger, on a conduit tout pour. Si un berger a parlé tout pour moi, c'est une indication, et tout pour avoir tout pour dévaster, d'accord, ça pour le faire. Exactement, il y a 100 fois, il n'y a pas de connaissance, il y a péri, dit n'importe quoi, c'est le monde. Ou jamais le monde qui est là qui dit, il ne faut pas que nous vivons la Bible. Jamais. Enfin, peut-être longtemps. Bon, pas rappeler, même pas le dire jamais, mais quelques monde, mais pas facile, non. Par contre, si nous rappelons, nous connaissons un texte, on nous dit, bon, frère Patrick, ça dit pas bon, non, mais ouvre la Bible, mais ça la Bible dit. Non, nous n'avons juste à parler. C'est pas ça, nous pas besoin d'idéologie, nous n'avons. C'est pas ça qui est intéressé, non. Ouvre la Bible. C'est ça qui est important. Ou Abdou Bagay, dis-moi, ouvre la Bible pour dire. Et c'est bon, m'attendons. Ou pas, quand ouvre la Bible, si vous voulez parler de penser, tant que nous parlons de Bible, nous parlons de penser, nous. N'a pas de penser, c'est ça. Exactement. Mais la réalité, c'est pour lire Marc chapitre 16, verset 16. Là, on peut lire tout le monde qui croit, qui baptise et se sauver. Le monde qui ne croit pas, il y a condamné. Parce que la réalité, le monde qui croit, il baptise, et parce que vous connaissez,
il est prêt pour sauver. Exactement, c'est parce qu'elle quoi, s'il pas quoi, il connaît Jésus qui a sauvé, c'est parce que quoi Jésus qui a sauvé, qui est baptisé, non, non, Jésus-Christ, l'accepte Jésus-Christ, le baptisé. Mais si vous la monde dit le quoi, elle pas baptisé, d'un coup, j'ai dit, ouais, mon anglais doit quoi. Moi, j'ai personne monde qui pas baptisé, pas au quoi. Surtout, on a baptisé, on a baptisé. Comment? Pourquoi si mon quoi, ou pas baptisé, ou pas baptisé, ou menti? Oui, ou pas baptisé, ou menti, ou pas quoi, vrai? Ou pas quoi? Réalité, c'est pas action, exactement, frère, moi. Soit des actions, on avait dit, c'est comme un monde qui vit comme ça. Exact, exactement, exactement. Et bien, même si on tout ça, avec respect, on ne doit pas les faire, on ne doit pas les faire. C'est un monde qui dit qu'on s'enquête, par exemple, qui dit oui, ma guette. Mais tout ça, tout ça va être chaud, baptisé, qui peut générer le plus chaud, il va être chaud, alors là, c'est aussi. Et que bon, je vais vous faire avec les bon Dieu, Benoît, frère, bon Dieu, Benoît, merci pour l'appel. Bon, nous avons fini, quittez-nous fini pour vos textes, s'il vous plaît. Font-ils un petit moment? Ma bonne nous signale là après, un petit moment pour nous, s'il vous plaît. Alors, nous sommes gardés Marc 16 là, où est bien. Pas quitter personne, nous, qui a interprété, qui a dit sera sauvé, c'est peut-être un petit peu, 95%, 10%, 99%. Non, texte a dit sera sauvé. Parce que s'il t'a traduit sera sauvé, 95%, 10%, eh bien, moun qui pas quoi, l'a traduit sera condamné, 95%, 10%. Et pourtant, moun qui pas quoi, l'a condamné et l'a condamné encore. Et c'est ça la Bible dit. Pas gaffe sera condamné, peut-être, un petit peu. Non, 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 pas gaffe ça. C'est qu'on va condamner. Pas quoi, on va condamner. Pas baptisé, parce qu'on pas quoi, ou condamné. C'est ça la Bible dit. Noir sur blanc. Ok, nous n'avons pas avancé plus devant. Nous n'avons pas avancé plus devant. Nous parlons dans acte 2. Nous parlons dans acte 2. Alors si tout tendez bien pour nous capables de répéter ça qu'elle me dit pour ne pas dire ça qu'elle me pas dit, d'accord? Tendez bien ça qu'elle m'a appelé dans nous. Ok. Dans acte 2, le verset 37, 38, 39, 40, 41. Ouvrez Bibou, on garde avec s'il vous plaît. Verset 37, acte 2. Gardez bien. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? A dit là, ils ont fini dans le message, mais ça a touché qu'ils ont cru. Ils ont demandé à monde qui est responsable, monsieur, qui ça pour nous faire frère mieux, pour nous sauver? Et bien, dans le verset 38, regardez verset 38 là, oui. C'est le premier baptême qu'a fait, oui, après 10 disciples, te fin recevoir Matthieu 28, 19 là, oui. Première fois, il a accompli ça. Jésus qui te dit, oui. Première fois. Alors, t'en es qui ça, apôtre là, rempli du Saint-Esprit pour aller répondre. Il dit, dans le verset 38 à 2, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a dit ça y est de faire là. Parce que des gens qui disent c'est Pierre qui fait, ouais. Mais mon n'a pour autant qu'elle pas connaît qu'elle blasphème parce que c'est pas Pierre qui a parlé. Parce que si on dit Pierre fait, il faut bonne preuve que c'est Pierre qui a parlé. Bonne preuve, selon la Bible, c'est Pierre qui a parlé qui fait Pierre fait, ouais. Or, nous, là, c'est pas Pierre qui a parlé, c'est le Saint-Esprit qui remplit Pierre qui a parlé. Hein? L'idée pour le baptiser, non, qui non. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, son nom propre ou nom commun? Nom propre. C'est pour titre qu'il y a son nom. Le seul nom. Selon Acte 12 là. Pour qui ça maintenant? Gardez notre texte là. Acte 38 là. Pour qui ça y a un monde besoin de baptiser? Pour le pardon de vos péchés. Gardez le texte là. Peut-être que vous prenez le temps pour examiner. Pourquoi me baptiser? Pour le pardon de mes péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit sont donnés après qu'on y a là ou en mesure pour recevoir don ça. C'est tout comme pasteur. Pasteur sont donc liés. Mais pasteur tout non métier parce qu'il y a l'étudiant. Parce qu'il y a un don. C'est Dieu qui baille. Ou pas qu'à l'étudier, il y a un don. Parce que Dieu baille don. Dieu veut le vin pasteur. Il y a tout ça. Mais qu'on a homme de siècle, il y a étudié pour le vin apôtre, bishop, docteur. Bah qu'on est archevêque. Sans que c'est pas Christ qui veut les yeux. Quand il y a la moune, ça y a qu'à l'étudier pour y avoir une pasteur. Tout en sachant que pasteur sont donc liés, c'est pas un monde qui apprend nous. Eh bien, moune, ça tout connaît automatiquement, moune, ça a passé de Christ. C'est pas Christ qui veut elle, c'est pas Christ qui place elle. Parce que l'étudier, t'as étudié son métier, le guénomène. Et par conséquent, ou bien en conclusion,
pile moun sa gen nan men la c'est entreprise li ke lié parce que la l'étudier le bon professeur la exercer profession là dans entreprise à son entreprise parce que par exemple moun ki veut faire commerce elle étudier pour yo vinn chef d'entreprise yo monter entreprise yo sauf qu'on a la monsieur ça yo aller étudier aussi pour yo vinn monter entreprise yo font 4 nuits et puis qu'on a passer loi yo veut parce que c'est entreprise yo lié yo fait ça yo veut là-dedans moi pas gagner moi dit ce moun ni pas dit moun ça appartient à Christ pour moi le chrétien yo pas chrétien parce que yo pas monde Christ et la bible clair leur dit chrétien on veut dire moun qui appartient à Christ et ça yo fait c'est pas bail Christ m'a dit si on pas prendre bon consacré chrétien. OK. Nous devons baptiser pour pardon péché nous après pour nous recevoir dans cet esprit. Verset 39, regardez verset 39 là pour vous. Il dit car la promesse est pour vous. Quelle promesse? Repentez-vous, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont en lui, ça veut dire nous-mêmes qui là, mais c'est homme des siècles maintenant, au cap traduit la Bible, n'importe comment promesse ça pour vous, pour baptiser au nom de Jésus-Christ, après pour recevoir cet esprit. C'est même promesse là. La promesse est pour vous, hein, peuple qui était là dans le moment, pour vos enfants, pour petit peuple qui était là dans le moment, et pour tous ceux qui sont en lui, ça veut dire nous-mêmes qui sont aux extrémités de la terre, hein, promesse, ce qui promesse lui, c'est que vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Mais ça fait que ça dit. Hein? Posez frère, posez bishop, posez archevêque, posez pasteur question. Dis pasteur qui ça pour me faire pour me jeune pas dans péché. Depuis le pas contexte, ça va remettre qu'on est dans menti. Parce que le pas qu'à bon l'autre texte. C'est texte ça dit qui ça pour faire pour me pas dans le péché. Il dit faut baptiser au nom de Jésus. Puis la Bible claire, chers téléspectateurs, regardez pour nous. Hein? La Bible claire. Alors, promesse là, l'époux, il y a même qui était là, pour petit, hein, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et le verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et maintenant, nous avons une génération qui est plus que perverse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Sodome et Gomorrhe étaient dans l'homosexualité. Mais pas de bon loi qui est signé, qui est entré dans la loi pour monter, il était libre pour monter faire comme si son bel bagalier. Mais maintenant, il est entré dans la loi, son loi qui est liée. Maintenant, il dit nous, un moment plus que pervers. Ok. Dans le verset 41, lorsque il y a fait le temps de message là, Pierre parle dans le verset 38, tu n'as pas compris quelqu'un qui baptise, non? Il a demandé ça pour y faire. Pierre dit ça pour y faire. Rempli du Saint-Esprit, il dit ça pour y faire. Hein? Il continue par la veille, il continue à exhauster. C'est dans le verset 41 maintenant. Moun qui accepte tes paroles, ça, il va le baptiser. C'est pas le lendemain, non, ni c'est pas souvent, il va le mettre, non. C'est à l'instant même, oui, baptême, non, fait. À l'instant même, il y a quoi, baptême. 100% évangélique, bon Dieu béni. Oui, je vous prie, bonsoir. Bon Dieu béni, frère, moi. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi, ça dit, là. Normalement, émission, moi ça dit tout le monde qui a écouté. Et tout le monde y attendait où? Et puis, que je te dis merci pour le programme, ça, on dit toujours vos possibilités. C'est juste pour présenter. Et, un petit problème avec Matthieu 19 avec son sautelé là. Mm-hmm. Que Pierre lui-même était campé dans sautelé dans verset 37. Mm-hmm. Rendez-vous. Oui. Et m'ta aimé pour vous dire quelque chose. Avec qui est-ce Pierre t'a parlé, l'elle t'a dit que et pour vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Avec qui est-ce? Oui. Bon, ma faut qu'on voit avec qui est-ce selon la parole de Dieu. On met ou met Fonti Bac dans le même chapitre là, ou après à qui est-ce t'a parlé yo? Verset ou a commencé à partir du verset 9, 10. 11 doit après toute nation qui est là, mélanger avec le peuple Israël. Bon, écoutez bien, lorsqu'il est dans verset 38, l'équipe Pierre dit que c'est pour repentir, c'est pour pardon, pour péché. Et le monde, qui genre de monde il est là? Comment qui genre de monde il est là? Parce que normalement, ça nous comprend que nous, que le monde est là. Lorsque Jésus-Christ est levé, vivant dans Matthieu 28, verset 19, là, qu'il dit que il dit moun sa yo, que c'est eux-mêmes qui étaient tous sauvés. Ça veut dire sauver l'idée est venu, c'est juste pour te sauver. Qu'on y a que Pierre lui-même, le Saint-Esprit, bon Dieu, c'est le Pierre, qu'on y a dit que peuple Israël, que Jésus est venu pour nous, qu'on y a là même, c'est. Nous te dérefuser, qu'on y a là, c'est nous-mêmes qui te clouent sous quoi, qu'on y a là, que l'on commence à prêcher en bas pour voir cet esprit, qu'on y a frère ou prêcher, qu'on y a
pour dire, mais qui ça nous doit faire? Quand il y a Pierre dit en bien, c'est pour nous recevoir. C'est pour nous venir recevoir Jésus-Christ dans la vie, nous, pour nous faire un pardon pour pécher nous, parce que c'est nous-mêmes qui déclouons sous quoi. Vous comprenez? Alors, moi, je ne comprends pas que je dois dire que c'est pour nous baptiser dans le nom de Jésus. Oui, parce que normalement, et pour nous faire un pardon pour pécher, il faut nous baptiser dans le nom de Jésus. Frère, donc, ça, vous voulez dire? Jésus, ça, vous voulez dire, mais pas ça, ou expliquez-moi là. Quand on veut les vini même, faites les spectateurs vous senti quand on veut vini. Bon, malise mal raccouché. Sometimes me connaissez côté frère là, veut les vini là. Parce qu'elle dit c'est normal que tu baptises dans le nom de Jésus-Christ. Elle dit c'est, il y a même c'était normal que tu baptises dans le nom de Jésus-Christ, mais c'est pas normal que tu baptises dans le nom de Jésus-Christ non, parce qu'on on pas pardon pour péché ou de pardonner péché ou pas de pardonner non. C'est comme saute là, on pas comprendre. Des monde qui attendait pas comprendre les spectateurs. C'est ça que fait me lire verset 39 là, me répéter encore. Car la promesse est pour vous, ceux qui étaient là à l'époque, pour vos enfants, pour petit monde qui était là, et pour tous ceux qui sont au loin. C'est ça que fait me lire comme ça, oui. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frère. Oui, après, vous parlez là, 1 Thessaloniciens 1, verset 9, pour moi. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Oui. D'accord, c'est moi. Je vais aller directement là-dedans. Nous allons arriver. Verset 9. Car on raconte, 1 Thessaloniciens 1, verset 9, c'est ça. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Oui, frère. Chaque fois qu'on a 1 Thessaloniciens 1, verset 9, oui. Lisons au dernier parti, lisons, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant tous les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors, est-ce que Talia n'a pas parlé de baptême? Ok. Pas de question baptisé ou pas sauvé. Et pas ça. Pardon? Non, je n'ai pas dit ou pas sauvé. Mais justement, frère, écoutez ça m'a dit bien. Ok, ou baptisé ou sauvé. Mais ou sauvé, est-ce que vous me posez une question, frère? Ok, d'accord. Ou baptisé? Ou sauver, tout le monde connaît ça. De pour baptiser ou sauver. Mais sauver par un prière, frère. Écoutez, ça m'a dit, nous comprenons pas dire bien, mais sauver par un prière. Si sauver était un prière, tout le monde te met sur le tout ça ouvre. Et puis, on est venu pour ça, il faut sauver. Sauver par un prière. Grâce à Dieu, par un prière, frère. La tête de Salomé, c'est la dernière partie à l'eau libre. Vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant tous les idoles. Bon, répéter ça, me dit bon, répéter le encore seul. Si on fait, message la prêché. Écoutez, faut écouter. C'est tout le monde tente. Est-ce que c'est femme? Ok, on va plus faire l'encage. Ok, on va plus. Tout ça, c'est raisonnement. Si c'est vu, vous voulez dire après, moi, après, moi j'adou, c'est pas business pam. Faut pas du tout. What did you say, sir? Mais ça n'a pas intéressé, monsieur. Décision pour servir mon Dieu. Mais au fond de côté Maria, est-ce que l'on s'est baptisé ou pas décision pour baptiser? Est-ce que l'on s'est baptisé ou qu'elle prend mon lèvre ou mettez l'homme de caillou sans pas marier? C'est vente. Écoutez bien. On va aller là. On va aller qui bon? Oui, on va aller. Son raison, nous avons la fête, attention. Faut qu'on ait qu'on passe dans la Bible, là, ce qu'on dit là. Yo. Et pas que ce passe dans la Bible. Il y a un besoin de faire qu'on ait qu'on ait pas sauvé le monde. Mais je vais dire un bagage sur votre. Je vais prendre deux mêmes bagages là. Écoutez bien ça, Mbaldo là. Je vais prendre deux encore. Lorsque le message là, c'est ça que vous tiens dans toute la Bible là. Vous tiens à ce que nous n'en croyons. Vous tiens à ce que nous n'en croyons. Ça veut dire depuis le croyons. C'est dit d'accord pour quitter Christ, diriger. Pour faire ça que Christ voulait pour faire. C'est ça que fait les gens prennent baptême, ils disent mourir avec Christ, l'élever, lui ressusciter avec Christ. Désormais, vie ça qu'elle vient gagner, c'est pas la vie parle encore, c'est vie Jésus-Christ qui est liée. Et ça fait pas qu'à faire salver avec comme ça parce que c'est quoi Christ qui est lié. Voilà. Ça veut dire que maintenant avoue qu'elle croit, lui accepter pour marcher avec Christ, lui accepter pour l'abandonner tout. Et c'est ça que fait le dit Christ, nous le servir parce que m'accepter pour m'abandonner tout. Avant baptême non. Alors c'est avant si bon si conjonction de coordination après. Lui pas dans la Bible là. Il pas baptisé avec elle.
Qui peut aller dire que oui, bon, m'baptiser, m'konne m'sauver, m'ben m'pral faire. Mais pour qui ça le fait? C'est pour le pas faire bagay qui malgré qui fait l'accepter Jésus-Christ, c'est vent. Mais ça, c'est ça qui fait m'dou ça, c'est bon, bah, ou pas bien, même dit, ça, son raisonnement qui est lié. Pour aller dire baptême pas sauver, pour aller aguiment ça comme aguiment pour monter baptême pas sauver le monde. Ça, complètement anti-biblique. Alors, m'pas contre, si vous comprenez, même souhaiter que bon Dieu a béni comme pas tendez ou encore. Ok, alors gardez avec moi comme frère a terrelé tout à l'heure là, pour nous montrer que les naples ne sont pas liés, ne sont pas comprendre. Dans acte 2:39 là, gardez-le pour vous, 100% évangélique, bonjour béni. Oui, bonsoir, Fabrice. Bonjour béni, ça me oui, oui. La profite de vous, pour papa, on va donner une nouvelle papa. Eh bien, bon, papa, lui, pas très bien. Il pas trop bien, mais nous, en prière, à ce que bon Dieu fait le grâce, voilà. Il est Haïti? Oui, il est Haïti. Haïti, lié? Oui, il est Haïti. Ah, ok, d'accord, parce que bon, c'est mon collègue, moi, je vais entendre dans les nouvelles livres, je profite de nouvelles nouvelle livre. Non, mais c'est très bien, ça. Ok. Bien. Et en plus, ça me donne, t'as ajouté, bon, ou capriché, bon, c'est le monde, il n'y a pas tout le monde qui est en droite, il y a qui est en l'envers. Ah oui, il y a qui est en l'envers, oui. Je t'ai souhaité un pile de monde, essayer d'entendre sans comment capricher, sans qu'à dire, avant qu'à faire un débat, comme ça, bon, c'est pas un débat politique, quoi, fait. Exactement. Bon, on va prêcher dans la Bible. On a fait beaucoup de oreilles. C'est pas comme on a grandi, il lit la Bible là, mais il l'a fait dans la droite. Il dit que je vais en mauvais verset, c'est votre mauvais verset. Ah, qui a pris le temps, c'est dit, il dit la Bible là, pour vraiment la Bible là. Et c'est écouté tant dire, on n'est pas obligé à faire des débats comme aux politiques ou aux politiciens. Son l'homme de Dieu qui a prêché la Bible, la vérité, pour tout la vérité, comprendre. Exactement. C'est comme si on comprendre, parce qu'on peut parler très droite, mon ami. Exactement, parce que le but, c'est pas pour dire, c'est pas pour faire OK polémique ou quoi que ce soit, c'est pour voir sa Bible a dit vrai. Est-ce que l'homme baptisé le pas, est-ce que baptême pas sauver monde vrai, est-ce que la Bible dit baptême pas sauver monde, et c'est la Bible qui pour dire nous si baptême pas sauver monde. Or si nous pas consulter la Bible, comment pour nous faire connaître que baptême pas sauver monde? Mais oui, si mon en croit après ça, après aller de colle la rue, c'est problème pas. Donc mais on prêche que ça doit faire. Exactement. OK. Ben, oui. Merci pour. Avec d'accord. OK. OK, comme nous t'a dit tout à l'heure là, des monde qui tendait que pas comprendre. Et ça qui reprend le verset 39 à 2:39 là, l'éclair, il dit que la promesse est pour vous. Quelle promesse? Verset 38. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en lui, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Elle dit, si promesse ça n'est pas appliqué, on ne peut pas de la vie. C'est clair. Bon Dieu bénis nous 100% évangélique. Oui, allô, bonsoir, Père Pascal. Bon Père, comment est-ce? Nous pas plus mal avec Jésus. Bon, en gestion de la gestion, je voulais côté concernant une série de monde qui a coûté. Et qui manque compréhension de ça y a tenté. Il y a plus de discussion au lieu que yo prend ça qui bon pour nous mettre en pratique et pour nous sauver. D'après tout ce qu'on dit, on va dire ou même ou dire la vie. Et chaque fois qu'on dit, et c'est un verset qui ouvre qui dit, on va dire selon de ou même et on dit selon ça la Bible dit. Amen. Et en tout cas, parce qu'on connaît nous-mêmes les hommes qui sont là maintenant,
nous capons sur en façon que nous voulons juger l'autre. Juger moun, l'homme moun a sauvé, si ou ta wè moun a marché, façon ou ta vle pour moun a ou ta marché, a y pa façon de marché, moun a ta juger, il pa laisse que bon Dieu lui-même li juger. Mais celle ta man ta vle faire comprendre, songez bien ça que t'es arrivé ensemble avec Moïse. Le Moïse te fin frappé au chien là, le Moïse te reparti la pour moun qui te connaît. C'est même Jean-Tou, quel que soit moun qui sauvé pour servir, li pa servi pour sauver, le sauvé pour servir Christ, si au dernier jour, bon Dieu, donc belle bagarre, même t'as même répété phrase là, il est sauvé pour le servir Christ, il pas servi Christ pour le sauver. Ah exactement, parce que tout le monde est sauvé pour servir Christ, mon père ou pas servi pour sauver, parce que c'est ça mon mal comprendre, parce que la Bible son bagarre qui est clair et tout le monde même qui a couru devant et a couru devant sans un verset biblique en main, il y a fait discussion sans un verset biblique qui pour prouver ça aussi. Ça qui est important, c'est de mieux te comprendre comme frère qui fait tout le dit. C'est mieux rester couteau bien pour comprendre ce qu'on dit. Et puis, vous faites ça que la Bible demande. Exactement. C'est meilleur pour vous-même. Parce que, à moins de ça, je ne peux pas dire ça de, pour moi faire un éloge de vous-même. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas que vous-même qui faites, c'est cet esprit qui n'a ou même qui faut dire parole des derniers temps. Amen. Parole des derniers temps, ce n'est pas dans pile monde qui parle, parle des temps de vous. Ce n'est pas vous qui parle des temps de vous, Patrick. Pour vous sauver. Exactement, c'est pas faux. Vous ne pas quoi dans les baptêmes au nom de Jésus. Vous croyez dans ça que vous avez suivi vos pasteurs, vous avez suivi vos prédicateurs, vous n'avez pas suivi Christ. Exact. Parce que le moment ça a vu le dernier temps, c'est le moment pour nous suivre Christ, pour nous mettre pasteur X dehors, pour nous mettre pasteur IZ dehors, pour nous prendre Christ, nous mettre comme un boussole devant nous, et puis pour nous servir. Bon Dieu, pour nous pas servir ça, l'homme a dit, de ce que l'homme a dit. Penser l'homme, Jean, l'homme penser pour nous pas l'homme penser, il y a une pensée de l'homme. Non, le pensée de l'homme n'existe pas en ce temps-là. Ça qui existe maintenant, là, pour avoir dit, dire ça, Christ dit, sauver. Bon Dieu bénion. On va parler mal et puis tout soit Dieu. Continuez Dieu, cet esprit a toujours pour vous. Pour dire vos paroles, pour bailler vos paroles là, si vous pas attendez, c'est vous-même, si vous attendez, sauver. Et pas faire à sauver, comme on dit, faire à sauver, parce que faire à sauver, c'est moitié, mais faire à sauver, c'est un bagage qui est en pleine forme, condamné à pleine forme. Exactement. Amen. Bon Dieu bénion. Allez, si sera sauvé, c'est pas en pleine forme, son type, mais sera condamné, son type, tout, c'est le même thème. Non. Allez, c'est même pas ce composé. 100% évangélique, bon Dieu béni. Oui, frère Patrick, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frère, nous attendons. Frère Patrick, c'est important, ça longtemps, attendre. Qui fait que fils et deux se reparlent en pile, c'est parce qu'on pas de bailler pour ça comme il faut. Ah, mais bailler pour ça, c'est ça même. Hein? Alors, depuis que je reparle ça, tout le monde entendait. C'est-à-dire que l'offre de baptisé au sauvé, ça c'est à dire, oui, c'est la réalité. Mais en réalité, il ne faut pas écouter bien. Allez bien. Le problème qui gagne avec mon capitaine de parole, il faut que tu poses des questions en fond, parce que pour ça, clairement, j'ai qui avec patience pour ne pas comprendre. Parce que mon gagne dans le bisou avec mon capitaine de Dieu, il n'y a pas le même esprit pour être capable de faire la différence. C'est tout le monde. Exactement. Alors, c'est-à-dire que. Là, c'est à plaider, le baptême sauvé ou pas sauvé. Mais en question, vous pouvez ajouter, est-ce que le monde qui peut baptiser tout le monde, qui s'est réveillé eux-mêmes, qui s'est apprécié voir si le monde qui baptise a des difficultés pour le sauver, et le monde qui peut baptiser tout le monde, puisque si le baptême pas sauvé le monde, ou bien le baptême sauvé le monde, alors, le monde qui baptise, il y a des qui ne sont pas sauvés, mais le monde qui peut baptiser, il ne s'est pas réveillé. C'est plus réduit, apparemment. Bon, ça ne peut pas être le problème. C'est que, ben, là, je m'en ai clair, il n'y a pas de personne qui est capable de sauver sans le baptême. Personne. Mais c'est là que quelqu'un qui dit l'offre baptisé, il faut avoir une instruction. Exactement. Il a recevoir instruction selon le Seigneur, selon la Bible, et puis pour marcher selon le Seigneur. Pour voilà. Et c'est Seigneur. Ça qui a été quoi? C'est pour te faire marcher, Jean, le Seigneur m'a dit pour marcher, et ça a été quoi? Ou quoi le Seigneur pour vivre même Javel? C'est tes conditions. Ils n'ont pas esclaves, c'est toi encore, ni le monde, ni Satan. Mais esclaves, Seigneur. Ah. Amen. C'est ça qui vit. Exact. Mais chaque belle cunia, dans son absence, il y a aussi frère, pose des questions. Entre Matthieu et Pitou, à deux, il y a qui mon pied a parlé. Il y a qui mon Jésus a parlé. Jésus parle avec les Juifs, Pierre parle avec les Juifs, mais ça, mon nom, pas ton monde. Ma pratique pour frère, pour qu'on puisse voir le sol du tout. C'est-à-dire que c'est dit qu'on va pour nous-mêmes, qui pour nous-mêmes, pour petit, 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 nous, pour petit, sur la petite garçon, et pour le monde qui est aussi loin que vous.
Oui. Si moi, c'est moi-même. C'est moi-même, qui part dans mon famille juive. Et bien, c'est pas encore trop, c'est à reconnaître tout. Lorsque je dis que ça, nous même dit tout Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça, c'est tout. Il y a, c'est lui-même, mon Dieu, le Seigneur, écrit ça. Et puis, comme je ne veux pas aller, il va tuer Jésus lui-même. Non, il va tuer Jésus lui-même. C'est moi, c'est moi, il ne va pas tuer Jésus. Et bien, mon frère, moi, nous tuons Jésus tout. Quand pour l'homme, comme la l'œil de l'Israël, de tuer Jésus-Christ, et bien, moi, nous tuons Jésus. Est-ce que vous comprenez? J'aime la belle pour le monde, vous comprenez? Les Juifs, c'est arrêté Jésus, et puis ils lui roulent à l'impio. Avec un pio. À l'impio. Comme moi, avant. Qui veut dire que c'est négro, mais il coule, sous quoi païen. Si c'est juif, il te prend. Et puis c'est même juif, il te coule, sous quoi. Vous n'avez pas de tout, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout, comme il s'est dit. Est-ce qu'on vole? Mais là, juif, je finis arrêté, les juifs, je remets au MD, au monde qui n'est pas juif comme moi, au monde pour le meilleur, mais tout, il qui veut dire moi, nous participer dans ça, la mort Christ, là. Exact. Et tout, il tout. Et bien là, pas une question de deux baptêmes. Pas pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'autre là, au nom de Jésus. Pierre prêche au nom de Jésus pour les Juifs. Et puis Jésus-Christ, c'est un petit l'autre là, pour le Père et le Saint-Esprit pour les païens. Pas de ça qui existe. Non, non, ça n'existe. Alors, peut-être nous sérieux pour ne pas comprendre. Mais c'est bon, beaucoup de l'argent, de manger là. Ça dit là, c'est ça que je voulais dire. Des baptisants, oui, des femmes qui vont, des c'est là, beaucoup de la Bible. Regardez nos frères, Jean. Ça, on dit là, c'est ça le devait dire, que baptême au nom du Père, c'est pour les païens, baptême au nom de Jésus-Christ, c'est pour les juifs, parce que c'est les juifs qui te crucifient Jésus-Christ, et moi-même, pas te crucifier Jésus-Christ. C'est ça, les païens. C'est vraie idée, frère, je les faire sortir. Nous, tous qui te trouillent, si tu arrêtes, et puis on met les. On a dit, on met dans un pied. On met dans un pied, c'est païen, c'est moi, on est dans un pied. Exactement, et puis comment qu'on est baptisé? Qu'on n'est pas qu'à entrer dans les Éthiopiens, comment le baptiser? On a dit Père du Fils et du Saint-Esprit, à chercher le texte avant de me baptiser. Non, c'est pas clair, mais on a un coup de nous privé pour nous réveiller notre taillot. Oui, oui, oui. Et la Bible, on a un miracle plus. Ah oui, on travaille en Haïti, on a une émission spéciale pour me faire dimanche prochain. Mais oublie parole Christ. Oui, c'est vrai. Mais le grand joueur va venir, puis continue. Ah bien, ok. Alors, si tu es content de ce que tu sais, tu sais que tu as parlé de l'Evangile, tu viens de comprendre. Ça veut dire que ça a été bouleversé ma Bible parce que tu ne devais pas te comprendre. Exactement. La fête, tu viens de comprendre. Le baptême, oui, vous sauvez, mais pour suivre le baptême dans la lettre. Mais c'est une condition. Vous comprenez? Mais pour recevoir enseignement, selon l'écriture, selon la Bible, selon le baptême, pour pouvoir aller. Exactement. Mais ça ne peut pas dire que c'est pas la du tout, mais moi qui baptise, même le baptême, même le baptême, même le Christ, parce qu'il a accepté de baptiser. Il y a une route qui perd du souci, c'est pas vrai. Mais une chose, les quoi, mais ça parle pas de parler du tout, pas là, complètement dehors. Exactement, qui bon Dieu Benoît. Amen. Ok. Oui, Nabgade, maintenant, nous te lui verset 38 là, maintenant, 39 là aussi. Maintenant, Nabgade le verset 47, non, même à 2 là. Et nous parlons de chaque monde qui entre dans l'église Christ là, qui monde qui est-ce que c'est monde qui perd du yoye? Ou bien est-ce que c'est moun sauvé qui regarde? Oui, Bibo avec moi. Acte 2, 47. Il dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, écoutez bien, oui, c'est pas moun qui perd du nom qu'ajouté dans l'église là. Texte à dire, c'est moun qui sauvé. Alors, après, si bon, si conjonction de coordination, moi, ça, c'est pas business, moi. Ça, c'est pas fait pam. Seigneur connaît, m'pas mêlé. Mais texte à dire, c'est moun qui sauvé, que chaque jour, acte de 47, que le Seigneur ajouté dans l'église, là. Alors, Kembe, acte de 47, là, très fort, pour nous capables de voir ça. Maintenant, ça nous parle, regardez, nous parle dans 1 Pierre 3. N'a pas fait vite. 1 Pierre 3, là, nous parle arriver. 1 Pierre 3, hein? 1 Pierre 3, oui Bibou, non, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, n'a pli à partir de verset 18 pour nous arriver dans le verset 21. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, et puis notez texte ça, surtout. 1 Pierre 3, verset 18 à 21. Mais c'est 21 verset noir, mais n'a pli à partir de verset 18. Verset 18, 1 Pierre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit.
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se plongeait au joug de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Alors, à travers l'eau, cette eau était une figure du baptême, c'est-à-dire une figure symbolique du baptême. Comme souvent dit nous, tout ça où est fait dans l'Ancien Testament, il y a une figure symbolique dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire pour l'Église. Comme monte moute nous vient de cochon, hein? Physiquement, il y a une figure symbolique spirituellement pour l'Église. Pourtant, qui était physique, littéral pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons l'Église, il y a une symbolique. Et symbolique là, parce qu'elle représentait toutes les nations. En fait, toutes les nations. Mais ici, là, il y a de l'eau, ça. Lâche-la-té là dans l'an. De l'eau en l'air, de l'eau en bas, tombé. Hein? Eh bien, de l'eau, ça, c'est ton figure qu'elle t'aille. Du baptême que Jésus-Christ a demandé pour l'Église, il y a capable de camper. Pour l'Église, il y a capable d'inaugurer. Ça veut dire que là, lorsqu'on lâche la de l'eau en l'air, de l'eau en bas, ça veut dire que c'est ça, on est plongé totalement. Elle dit de l'eau tout autour, c'est qu'on est dans l'eau, totalement dans l'eau. Et ici, là, c'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Elle dit, je ne peux pas le pour mettre crasse sous comme, mais l'engagement d'une bonne conscience. Là, pour appeler ça, avant nous finir. Bon Dieu, bénis ça pour ça, évangélique. Bonjour. Oui, j'appelle pour dire. Est-ce que vous êtes obligé de parler que de la baptême? Est-ce que parler de baptême, non, bon, il y a un problème, seul. Non, mais, vous parlez de ça? Mais, au compte, l'on bébé a marché, écoutez bien. Il faut qu'il souffre le fait qu'il a fait pas vrai? Autant le peu qu'on finit faire pas, j'aime si c'est pas une kébé, mais elle bouffe, elle fait pas. Ou d'accord avec? Ou bien plutôt, un texte pour montrer côté Paul dit, comme on pas capable de nourriture solide, parce que moi bébé nous il faut me dans l'être si baptême non qui premier pas ou faire ouais là-dedans obligé travail baptême non avant pour camper sous pied. Oui, OK, on peut pas dire mais pas le bail dans Bible on cap aller pour nourrir. Si tu as point l'autre bagage dans Bible ou pas trop intéressé. Oui, est-ce que oui, mais bail dans l'autre Bible. Non, pas du tout, pas intéressé. Si mal parler de la dîme, pas intéressé. On vient écoute maman. Si me parler de faux cheveux, pantalon, pas intéressé. Là n'a pas gardé, m'a coûté. Si c'est pas où c'est genre nous toujours parler des mêmes bêtises, de méthodes de baptême, de toujours la même chose, pas que d'autres bannes qui aller, qui a nourri moins. Mais pourtant, ça qui est drôle, c'est que yon homme de Dieu, yon servant de Dieu, pas besoin de problème à ce que l'évangile a prêché pour Dieu mon ouvrir par rapport avec yon point. Même pas comprendre du tout la plupart des gens ou des peuples, la plupart à Saint-Martin, c'est que lorsque la parole a prêché, yon toujours des problèmes à ce que la parole prêché. Mais ce bon bagaille qu'on besoin comprendre, c'est que nous tient à ce que Dieu moun ouvri. Nous tient à ce que l'évangile prêché pour Dieu moun ouvri. Comme Gossé dimanche dernier te demandé pour expliquer ce que baptême n'a pas sauvé moun, est-ce qu'elle sauve moun? Alors gon grain nom là quand danger, nous obligé retourner pour une vin aider le pour le sauver. Vous comprenez ça me dit hein? Ah, vous comprenez ça me dit. Oui, mais du non. Ah, OK. Tu pas qu'à venir tout le temps pour dire un seul bagaille. Mais tout, est-ce que vous suivez monsieur chaque dimanche? Comprendre. Est-ce que dimanche passé c'est sous baptême nous t'a parlé? Est-ce que dimanche avant c'est sous baptême nous t'a parlé? Est-ce que dimanche avant d'être là et sous baptême nous t'a parlé? Mais dimanche avant, j'en t'ai pas compté sur pendant tout ça. Chaque fois que maman m'a regardé, vous toujours parlez de baptême, pas j'en peux pas parler de baptême. C'est toujours parler de baptême? Oui, femme toujours parler de baptême, parce que c'est le premier bail pour moi faire pour sauver. Ou pas baptiser ou pas. D'où non? Bah d'où non? Est-ce que me donne non? Ah, mais bon, pourquoi ça? Bon, un problème alors. Est-ce qu'on pas capable de l'autre bail pour l'autre monde? Ou vous voulez me parler de l'autre bagage? C'est sous baptême, quoi. Mais non, il y a des gens qui veulent entendre parler de baptême, non? Moi qui envie entendre l'autre bagage, m'obligé. Alors, chaque fois parler de baptême, moi qui comprends, moi qui est quoi. Ah, mais si vous êtes tête, c'est bien parce que la parole c'est pour une révélation, et pas chaque jour, vous ouvrez plus. Et ça, qu'on pape jamais grandi dans la parole. Pourquoi? Parce que depuis fin d'année, parce qu'on finit qu'on est, ou fermez les. Mais pourtant, vous avez un texte ou pas jamais connu, vous avez une lumière que vous pouvez jamais découvrir, pour qu'on couvre pendant un temps. On va parler de baptême pour moi qui veut baptiser, pour moi qui comprend comment vous baptiser. Moi qui comprends déjà. Alors, tant ou tant de vous comprendre, ni vous attendrez, attendez toujours pour plus comprendre, vous ne parlez pas au monde pour pas. Vous ne parlez pas au monde, vous ne pouvez pas prendre un texte parce que comme qu'on écoute textuel il bien pour au lieu que on parle au dit et ou pas même qu'on écrit.
Et gon bagay gon texte m'a pli pour avant que moi laisse ou. Mathieu, c'est tout. Gayon texte qu'il dit dans Jacques 1er le verset 22, il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ne vous bornez pas. La Bible pas précise qui parle pour borner pour pas écouter, non? Allez de vous tendre la parole, tendez la parole et puis qu'on a là si gien bagay ou pas fin noté, par exemple un professeur qui a enseigné, il veut faire quoi, gien quelque bagay ou pas bien noté, ou renoter yo encore, ou réajuster yo et puis entraîner bien. A dit élève qui veut apprendre non, après tant que professeur a fait quoi encore, il est plus bon pour lui parce qu'on a la corriger, la redresser, toute ça était commencé prendre ça pas clair, il fait au clair. Ça c'est élève qui veut avancer. Okay. Ok, et pour, ok, en mettant que mon écoute est sorti de baptême, il baptise Jean Dia, et après, le lave couteau encore le dimanche, et après, quoi? Mais ce ventre, un peu d'intelligence, est-ce que c'est celle mon gain pour sauver? Est-ce que pas une population, toute une nation, toute une communauté qui attendait, gain l'autre monde qui peut croire? Oui, sauver avec mon zayo. Allez, dit, fin poche le voyage, et puis fermez, et puis c'est bon? Cadeau. Mais non, cher. Alors, besoin pour un rendez-vous pour nous dans l'autre bagage. Ou bien chercher quand on lieu de réunion pour aller pour nous dans l'autre bagage. Mais non, l'émission ça c'est pour moun ki la kayo qui pas sorti pour tande. Mais moun ki ka sorti yo sou pa ta vle tande baptême nan ben sorti al non réunion, al non lieu de prière puis pourtant dans l'autre bagage. C'est juste, tout simplement que ça. Parce que si ça rentre là c'est pas la parole ou pas gagne ka découvre. Pendant ce temps, yon seul verset ou ap li 5 fois. Tous les 5 fois ou ap jwenn yon bagage tout neuf ko pa jam konnen et k'ap fè de l'eau couri nan zyo pour moun ki konn li la Bible. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, donc, c'est vrai. Ou gen raison pour tant de baptême nan. Que bon Dieu ben nous sommes. Moi, mort dans le Seigneur. Allez, bye bye. Et nous avons fini. Bam fini 1 Pierre 3, 21 ans. Il dit cette eau était une figure du baptême. Alors, nous en train d'expliquer que baptême n'a pas sauvé moun. Que baptême n'a salutaire. Ça veut dire baptême n'a sauvé moun. Comme il te pose une question, c'est ça qui fait nous venir sur ça. Alors, faites attention surtout pour nous comprendre bien de qui ça m'a parlé. Faites attention. Alors, les 17 ans étaient une figure du baptême qui n'est pas la purification des souilles du corps. 1 Pierre 3, 21. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, pour ce vent qui te relève, son engagement d'une bonne conscience. C'est là que tu ne peux pas baptiser, tu n'as pas une conscience, tu bébé, comme l'église traditionnelle l'a fait. Mais c'est un monde qui a une bonne conscience qui doit faire. Bon, nous prenons appel ça. Que bon Dieu bénisse, 100% évangélique. Et bonsoir, frère. Bon Dieu bénisse, oui, chum, comment est-ce? Oui, bien avec Jésus. Oui. Nous-mêmes. Frère, avec moi, et même. Vraiment aussi. Émission. Vraiment aussi. C'est vraiment mon cap marché à Christ pour patience. Priez pour moi en pile. Pile. Parce que c'est prier qui est important. Plutôt. Je compte ça. Je souhaite un bon courage et je souhaite un bon travail. Parce que j'ai patience pour n'importe adversaire qui paraît devant pour tendre avec sagesse. Félicitations. Et pourtant, beaucoup de salut. Que de chèvres dans le Seigneur Sauvatou. Eh bien, je souhaite que mon Dieu a béni. Alors, je crois que vous acceptez Jésus-Christ déjà et je crois que vous tendez avec attention et vous examinez pour capable arranger selon Christ. Oui, Sauvatou. Eh bien, je souhaite que vous fassiez travail ça. Et si toutefois, tu as besoin de coup de main, j'ai fait travail là. Ah, mais pas un problème. Tu as besoin d'aide pour comprendre la parole plus, pas de problème disponible. N'a pas des fois qu'il disponible. Pas de problème parce que vous avez un numéro de téléphone déjà. Eh bien, ok, pas de problème. Que bon Dieu bénisse. Eh bien, Sauvatou, moi, je m'en veux ça et moi, mes émissions et pour ça, j'ai ça. C'est vraiment mon qui a Christ qui a patience comme ça. Que bon Dieu bénisse. Félicitations, qu'un peu comme ça. Que bon Dieu bénisse. Moi, moi aussi dans le Seigneur. Ok, façon bon après-midi. Même aussi. Que bon Dieu bénisse. Ok, bye bye. Côté où je viens, mon message là-bas est problème. Et l'autre côté où je viens, l'autre monde qui bénit. Alors, est-ce que peut-être yon moun ki déjà konnen pa enseigner l'autre qui fait venir? Par exemple, yon moun baptisé le vin nan quoi? Le fait que frère yon déjà, sœur yon déjà au top niveau, alors m'oblige pas retourner à zéro pour enseigner moun ki fait venir? Or, yon doit enseigner tout?
Mais non, parce que la parole c'est comme où l'occasion est. Il faut la retourner pour ne pas oublier le psaume premier. Hein? Et où est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Hein? Mais qui ne s'assoit pas en compagnie des moquins, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Parce qu'il faut le méditer. Mais si nous avons une télévision, nous avons regardé feuilleton. Nous avons regardé un feuilleton n'importe 50 000 fois. Et nous n'avons aucun problème à ce que nous regardions même feuilleton, même film, même bagaille là. Mais pourtant, la parole, tout le monde a des problèmes pour regarder. Mais ce n'est pas possible. Un peu de conscience. 100% évangélique, bon Dieu béni. Oui, bonsoir. Oui, je vais dire que c'est moi-même dit tout à l'heure. Oui. Mon cher, nous parlons à l'heure, oui, mais pas trop, s'il vous plaît. Félicité madame là qui est là. Oui. Avec une union parmi toutes, on commence à avoir un gens qui bon, un gens qui comprennent. Vous comprenez? Exactement, exact. Madame là, lui-même, il est ouvert, il remet son père. Les gens qui sont là, c'est chute la fuite de sous pour décourager vous. Vous comprenez? Parce que madame là, pas les faux paroles, il remet la pression, il démoutou, il parle à 100% à toute cale. Amen. Les gens qui sont là, c'est très dur, les médias pour les traduire, vous comprenez, vous les faut pas perdre vos chemins. Exactement. Vous comprenez, parce qu'il n'est pas là pour marcher ensemble avant, c'est ça le problème. Je lui dis, bon, mon encourage, j'ai encouragé, bon, quand même, au grand pis, mon gravo, même si on pense que c'est un décourageant, mais bon. Jésus, alors, excusez, plutôt avec Jésus. Enfin, je ne pas finir tout après, c'est moi avec non, non, parce que vous connaissez, c'est Christ qui tout. Oui, c'est depuis ça, nous dit avec Jésus, c'est bien, qui nous ensemble avec Jésus. Nous avons prêché, nous avons encouragé tout, c'est décourageant. Oui, nous comprenons. Mais nous devons encourager cher, comprenez. Oui, comme dit le proverbe là. Exact. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde. Ok, frère, moi. Alors, bon, fini vers 1 Pierre 3:21. S'il vous plaît, gardez 1 Pierre 3:21 bien. Il dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Alors, gardez notre texte là. Ou après texte là, déjà ou bien maintenant, ça veut dire à l'instant même, soudain, maintenant vous sauve. Et le verbe sauver est au présent. Il dit, il n'y a pas de demain ni après. L'engagement, ça c'est un grand, c'est le monde qui gagne. Bonne conscience qui prend. Et c'est ça qui fait nous tout. Nous avons des conditions pour le baptiser. Il faut le marcher à Christ. Après, s'il parle de marcher à Christ, c'est lui-même, pas connaît. Mais il a dit qu'il faut le marcher. Faut depuis le Kouéa, c'est pour le Kouéa. Kouéa voulait dire qu'il voulait marcher. Jean-Christ voulait le marcher. Alors, quand il y a là, il y a une bonne conscience. Là. Et frère, disciple, ou est-ce qu'il y a une bonne conscience? Eh bien, quand il y a baptisé le nom de Jésus-Christ, et quand il baptisé, le texte a dit, il est sauvé. Hein? L'y sauver à l'instant même. 100% évangélique, bonjour Beno. Bonsoir, monsieur Patrick. Monsieur Castor, on va bien voir. Comment ça va? Parce qu'on l'a gué, petit garçon. Non? Ouais, ben, bon petit garçon. Non? Moi, ah, je partant d'eau, même. Je l'aime passer, même, je frappe pas jeune monde. Ah, non, ne pas là, peut-être pas de madame, dans les cadeaux, t'es presque, oui, t'es là. Comment madame, non, est-ce qu'elle est bien maintenant? Ah, ben, bon, encore ça, Dieu, depuis la souffle, vie a soufflé, li bon, mais en tout cas, mais, comme maladie, elle a beaucoup fini bon. Oui. Mais un jour, on t'appelle bon, si bon Dieu. Nous pas lâcher dans la prière, n'a toujours qu'un bien en prière. Je me compte ça. Comment y'a pas plus mal? Pas plus mal, ou même, comment y'a? Avec Jésus n'a plus. Madame n'a comme tout le monde très bien avec Jésus, tout le monde très bien. OK. Enfin sinon que papa me qui pas. Ça que pousse à elle au plus là encore là. Oui monsieur Castor. Oui, gros bagage ou dit là. Bagage là, les vibrine. Comment vibre parce que ou dit madame n'a posé une question les deux pourquoi faire chaque clair sur télévision son seul bagage va parler de baptême et on t'est pas une réponse est une réponse. C'est pas l'altéier, c'est pas diamant, c'est pas platinum. Même pas qu'à dire, qui vient, qui mode de parole ça à cause de nous balayer hein? Parce que c'est bon Dieu qui spire au balayer. On dit, l'un bébé n'a pas bon à l'être. Est-ce qu'on pas qu'elle met jusqu'à ce qu'elle prend pas? Amen. Bon, ça c'est un, non seulement pour Patrick, l'un bon bébé, ou qu'elle met tout le temps, pour le prendre pas, pour le prendre debout, après elle finit de prendre debout le marché, ou toujours qu'à Kébemel. Le pourquoi? J'ai 6 ans. L'homme avec la marche, elle marche pour quoi? Il a couru pour quoi? Il a campé pour quoi? Il a mangé pour quoi? L'homme a l'arrière avec l'homme traversé l'arrière pour Kébemel. Ça, c'est numéro 2. Deux, troisièmement, l'homme ou n'a vu un grand monde, Goliala, il est sous le bateau, sinon il est vinagé. Amen, monsieur Castor. Et j'ai Kébemel encore pour jamais l'arrière encore. Exactement. Comme table, madame, ça, pour le temps de parole, ça, pour la créance, c'est bon, je ne sais pas si parler tout le temps, mais Dieu nous vient dire, l'homme n'a pas tendance de l'eau qui saute dans la gêne. Mon cher compliment, merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse, bon Dieu bénisse, bon Dieu bénisse.
Alors, nous pas qu'à aller trop loin, n'a terminé dimanche prochain parce que nous avons deux missions prévues pour nous faire. Alors, deuxième émission après, nous fin expliquer que baptême dans les sauver moun, ou pas qu'à pas baptiser pour sauver. Après, nous besoin retourner dans Matthieu 28 là avec pour nous détailler point par point pour nous chercher avec nos papa, nos petites là, nos cet esprit selon la Bible. Pour si gen 3, si gen 4, si gen 5 selon la Bible. Et l'autre émission que nous besoin faire c'est une émission spéciale plutôt pour nous montrer vérité qui bail la vie à moun pape vinn là-dedans parce que on pral mando pour suivre la loi de Jésus-Christ. Christ avec plutôt nous dit côté Christ y est tout bon moun pape vinn. Pourquoi? Parce que Christ a mando pour marcher selon Jean-Christ mandé. Et tout monde qui désordre, qui veut vivre n'importe comment, yo pas d'accord vinn kay Christ. Pour Christ ba yo principe comment pour yo vivre parce que conseil des monde qui veut servir Christ avec condition yo poser condition ba Christ pour yo dire bon c'est vrai me veut servir même pas prêter faux cheveux non on m'a toujours mettre pantalon moi après m'a toujours mettre faux cheveux moi m'a détective base moi non soit accepter Christ ou pas proposer Christ sauver c'est Christ qui vous propose Christ ba condition mais comment me ou quoi dans lui ou marcher Jean-Christ mandé mais ou pas quoi ou péri ou condamné. Alors c'est ça qui fait nous tient à moutou tout ça que baptême dans l'île sauver mon on pas ca sauver sans baptême depuis il pas baptisé le péri esprit précis mon dit basé au nom du père du fils et du saint esprit pas ca sauver parce que pas un ballon pour péché yo nous clé sous ça selon la parole de Dieu et ensuite nous pas moutou vraiment comme nous dit dérapage Matthieu 28 parce que il y a monde qui a tendance que frère Jean frère Patrick a problème avec Matthieu 28 19 nous pas moutou que nous pas un problème avec parce que nous pas sorti dans Matthieu 28 19 qui se centre fondement l'église là dans le sens que c'est la grande commission qui gon paquet en balai plein provision dedans faut que nous cap détailler révélation ça pour moun yo wè que yo font et wè que yo jeté Jésus-Christ de côté yo al prend yon l'autre bagaille que yo pas comprendre sur yon l'autre forme yon formule trinitaire trois dieux Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit qui n'existe pas alors pas qu'à Dieu le Père parce que gon seul Dieu gon seul Seigneur gon seul Père alors pas qu'à gen deux dieux trois dieux quatre dieux. Sans seul Dieu pour gagner. Alors dans ce sens, nous parlons garder selon la parole pour nous. Comment la Bible dit pour nous arriver, n'a passé, nous garder pour papa, nous garder pour petite, nous garder sur cette pour nous essayer de arriver. Qu'on a c'est là où on va le constater pour complètement à côté de la plaque, on va le consulter la parole de Dieu noir sur blanc. Elle nous tient à mouto ça correctement selon la Bible avec des textes. Et puis surtout les mounions appelés, nous t'as bien aimé que ouvre Bible plutôt comme c'est à cette fait là. Au lieu que au bon raisonnement, au lieu que on parle des choses qui, au lieu qu'on parle des choses qui pas qui pas selon penser même excusez-moi si me dit nous même gè problème avec moun k'ap ban penser yo idéologie yo ban ça qu'écrit so penser ça pas important c'est ça Christ penser qui est important parce que penser Christ c'est lui qui bail la vie alors c'est lui nous besoin c'est lui n'a chercher alors comme nous dans Pierre 3:21 engagement que on prend qui se baptême nan coup prend ni et bien on sauvé li sauvé hein vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ il dit le Jésus-Christ pour aller. Et puisque on mourit avec Christ, on ressuscite avec Christ, Christ parle en mesure pour le ressusciter au dernier jour. Hein? Au dernier jour, elle va retourner. 100% évangélique, bon Dieu béni. Oui, bon Dieu béni, frère Patrick. Bon Dieu béni, sur moi. Moi, je m'aime dans le Seigneur. Moi, je m'aime aussi, sur moi, dans le Seigneur. Mais moi, mes façons ou exprimer la Bible, on ne parle pas selon nous-mêmes, mais on parle selon la Bible. Amen, amen. C'est qui t'a demandé à faire baptême dimanche passé. Hein? Ah, c'est vous-même. Oui, ah, ben oui. Gloire à Dieu, vous m'entendez? Malgré nous, pourquoi fin bon toute provision, yo? Oui, oui. Ah, bien, c'est pour vous. On âme seulement, c'est important. Parce que bon Berger a quitté 99 là pour le parti de un seul grain. Oui, oui. Alors, moi, je parti de un grain. Le Seigneur m'a dit, je parti de un grain. Oui. Alors, que autant de messages et qu'elle rentre dans le cœur? Mon temps, je me sens content, je me sens réjoui. Merci. Et bon Dieu, toujours continuer Benou avec toute femme, yo. Merci. Et moi, je vais vous donner nos paroles selon la Bible, je ne vais pas parler selon vous-même. Amen, amen. Et là, moi, je suis en bus, mais avant, je ne vais pas parler à faire pour femme pour vous tête. Maintenant, quand l'autre pasteur qui vient diriger, on a demandé pour toute femme pour vous tête, il y a un verset qui dit ça, et on dit si femme, il n'y a pas admettre pour vous tête, si vous êtes taillé chez vous. Je me suis dit, je me suis dit, je me Belem nous a fouillé Bible pour nous sac dans Bible pour même pour dans mon cas sauver elle nous sentim fier de moi le dimanche l'aime pour l'église pour moi elle me rise pour couvrir tête nous sentim fier moi mais ça moi mais ba nous parole là parce que il y a pile pasteur yo pas
entrer dans la Bible pour avoir la vérité. Il n'y a pas de, vraiment la dîme. Vraiment, vrai, ça qui pour nous, sauver, il n'y a pas de baoule. Oui, je vais poser une question, oui. Oui. Avant de partir. Oui. Vous baptisez déjà? Oui. Dans qui nom vous baptisez seulement? Qui nom? Oui. Au nom de Jésus-Christ. Ah ben, tant mieux si vous baptisez au nom de Jésus-Christ. Oui. Ok, d'accord. Que bon Dieu bénisse. Baptisez depuis Haïti. Bon Dieu bénisse. Ok, d'accord. Madame, oui, aidez-moi. Ok, d'accord. Et nous apprenons Colossiens chapitre 2. Après, nous te finirons 1 Pierre 3:21. Nous apprenons Colossiens 2 maintenant. Colossiens 2. Colossiens 2, le verset 12-13. Colossiens 2, verset 12-13. Gardez avec moi qui ça le dit. C'est toujours pour nous tous que baptême nous sauver le monde. Il dit dans Colossiens 2, verset 12. Ayant été enseveli, enterré. Enfin, moi je dis enterré parce que enseveli veut dire enterré. Avec lui par le baptême. Hein? Enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Par quoi? Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. On a pour appel ça, 100% évangélique, bon Dieu bénou. Allô, allô, bonsoir, frère Patrick. Bon Dieu bénou, frère, comment est-ce? Valeur, frère. Eh bien, nous pas plus mal avec Jésus. Oui, avec frère Patrick, tant que moi, je suis là qui baptisé, je suis déjà baptisé. Ça va être beaucoup baptisé. Eh bien, frère, pas moi, si vous baptisez, ou pas, parce que vous n'avez pas connu qui j'ai baptisé. Si vous baptisez ou pas baptisez. Et à l'époque, je baptisais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, mais vous ne pouvez pas baptiser du tout, frère. Si ça me baisse qu'on est. Vous ne pouvez pas baptiser du tout parce que la Bible est claire. Parce que les gens qui disent que vous êtes baptisé, vous êtes petit. Ah, mais vous avez doute, par contre, vous êtes baptisé. De toute façon, tout le monde n'a pas de doute, non? Vous avez seul bagage, vous connaît. Est-ce que c'est dans l'église protestante? Hein? Femme à diriger, prêcher, la dîme, hein? La moisson, présentation au temple. Eh bien, vous avez besoin de baptiser parce qu'on parle d'autres une Christ là. Ok. On va même poser tes questions. Je peux dire, bon, pas de chance, ça passe tête à tête, dit, parce que les gens qui disent, il va changer, ça passe tête à dit. Non, c'est qu'on est protestant, non, Père, Fils, Saint-Esprit, toi, Dieu, polythéiste. Pour nous avons besoin de chercher un seul Dieu qui c'est Jésus-Christ de Nazareth et puis pour vivre nous baptiser au nom de Jésus-Christ. Testament à présent. Pardon? Sous Nouveau Testament à présent. Oui, nous sous Nouveau Testament à présent. Je me baptisé à cet ancien testament. Oui, pardon? Je me baptisé à cet ancien testament. Non, enfin, Jean yon baptisé là, c'est que les gens qui baptisent pas même pas comprendre Matthieu 28, 19 là. Yo pas recevoir cet esprit et voilà pourquoi yo pas qu'à expliquer parce que c'est cet esprit qui parle dans Pierre fait Pierre découvre non propre monde c'est même lui même qui dans nous mêmes si yo monde pas fait ça Pierre fait c'est qu'il pas cet esprit exactement mais s'il pas cet esprit comment qu'a bon Jésus bon monde lui même peut-être pas il va bâtir au nom de Jésus lui même la bon Jésus-Christ et comme dire que c'est congrégation qui a bâtir au nom de Jésus on essaie dans monde qui a bâtir là pas bâtir au nom de Jésus-Christ hein alors on pas Christ m'a bon Christ non, pas baptisé au nom de Jésus, mais baptisé au nom de Jésus, ça passe avant rien. Ou pas baptisé du tout. Avait dit beaucoup, j'aime baptiser, faut moi baptiser. Enfin, c'est pas moi qui doule, non, la Bible qui doule, parce que au besoin péché ou pardonné. Oui, exactement. Exactement, acte 2:38, frère, comme réponse. Exactement. Faut baptiser au nom de Jésus ou pardon péché. Comme vous êtes baptisé, bon, mine contrariété, qui veut dire que l'on t'aime pas à l'église, de commencer à l'église, nous l'on t'aime pas à l'église, par rapport à qui mon travail le soir, bon, ma buse tout seul, bon, situation à papa. Mon cher, ou besoin de vivre avec Christ. Ou besoin d'entrer dans Christ, vrai Christ là. Ou besoin de vrai Christ là. Je vais vous coordonner pour nous faire parler. Mais ok, pas de problème. Bon, je vais mon téléphone. Ah, mais pas de problème, je vais mettre ok, 06-90. 90. 90. Non, 06-90. 66. 66. 33. Pardon? 33. 66-33. Oui. 75. Oui. Oui, maison, oui, ma bonne maison aussi. Ok. 06-90. Oui. 51. Pardon? 51. 51. 04 04 81 Moi, c'est Frankie. Ok, Frankie. Je vais te dire parce que je me fais un dialogue parce que ça, je ne m'apprécie pas en l'eau parce que je me suis jamais baptisé. C'est-à-dire que je me suis rebaptisé encore. Eh bien, ok, je vais reprendre place. Moi, je m'attends. Par contre, qui est-ce que vous avez décidé pour elle? Comme fini la réunion, comme nous parlons de service, comme fini ma prélo, frère. Ok, pas de problème. Parce que ça, c'est une question de nom, frère. Ok, pas de problème. Bon, je suis content de vous. Alors, nous terminons là maintenant et nous allons continuer dimanche prochain si Dieu veut.
Et alors, ceux qui te relaient tout à l'heure, après, pour qui ça, nous devons parler des baptêmes, non, parce que c'est le premier pas. Parce que maintenant, on va pouvoir des gens qui ont approché pour appliquer la Bible. Alors, le mieux que nous appliquer la Bible, n'a pas dernier appel ça. C'est pour ça, évangélique, mon Dieu bénit. Bon, alors nous finis. Que bon Dieu bénit tout le monde, que bon Dieu garde dans le Seigneur. Bonne semaine et bon courage, à très bientôt. Bye bye. Science.